I'm the King Bear.
Messieurs, dames, bonsoir. Alors la caméra, ça va pas du tout. Attends, excusez-moi. J'ai dû la bouger tout à l'heure. Voilà, messieurs, dames, bonsoir. Comment allez-vous? Ça bouge tout le temps, il n'y a jamais rien qui va. Alors que je m'achète un vrai support pour cette caméra, comme ça au moins elle sera posée, on n'en parlera plus. Voilà, comme ceci c'est bien mis. Bonsoir à tous, bonsoir Cid. Ça faisait longtemps, mon petit Cid, qu'en vas-tu? As-tu la forme, mon ami? S'il n'y a que toi qui va. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Donc ce soir, sans préambule, on va passer, hop, directement, comme ça, paf, ici. Ah, attendez, faut que je fasse. Paf, ici. Voilà, comme ça, je cache, vous verrez pas les informations top secrètes de la CIA qui passent dans le chat. Pff, pas du tout. Pendant que le gnome, il se fout de moi. Génial. Ah, ce soir, World of Warcraft, mais... Tu veux bien arrêter de rire, toi? Vous voulez faire un achat? L'outil est en train de se foutre de moi. Ah. Oh, le modo, quoi. Le full mage, il veut pas. C'est World of Warcraft. Tout à fait, c'est World of Warcraft, je le dis. Regardez, attendez, attendez. On n'a pas vu. Il n'a rien dit. Wizbot n'a pas parlé. C'est World of Warcraft. Comment ça va, Nick? Tu la formes, mon cher ami. Ouais, World of Warcraft, ça faisait un moment que je voulais stream du WoW, mais je me disais en ce moment, WoW, je sais pas... Le contenu actuel était pas fou et tout, puis ils ont dit qu'ils allaient faire World of Warcraft classique sur Wrath of the Lich King. Genre juste une des meilleures extensions qu'ils ont fait. Bon, ne dites pas ça à Nairan, parce que Nairan, elle a complètement détesté ça. Je regarde vraiment un streamer jouer un jeu que je déteste, et bah... Bonne soirée, si tu es navré. Je peux pas te dire mieux. Ah non, mais WoW, je joue depuis que j'ai 15 ans, j'ai rencontré ma chérie dessus. Enfin, c'est toute une histoire, ce jeu. Et enfin, Elka, c'est vraiment une... Il joue aussi depuis qu'elle a 15 ans, un petit peu plus. Parce que si moi j'avais 15 ans. Moi j'avais 15 ans. Je joue depuis la sortie du jeu. Moi j'ai commencé en 2005 aussi, du coup ça fait plus de 15 ans que je. Enfin, j'avais 15 ans, bah oui, ça fait 17 que le jeu est sorti, ça tombe bien. Ouais. Donc c'est ça, j'avais bien 15 ans, effectivement. M'en fous, je suis pas là pour le jeu, il est trop gentil, Sidonberg. Un véritable urcidé. Un vrai de vrai. Donc voilà, ce soir, on part sur Elka, le jeu... Bon, World of Warcraft, vous connaissez tous, de toute façon. On va partir en PEX, mais alors tranquille. On va pas être sur du rush. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, mais c'est pour pas que vous voyez le chat. Il y a des informations top secrètes qui sortent. C'est complètement faux. Je suis là pour Nairan. Fais gaffe à toi. Qu'est-ce qu'on en dit des bêtises, c'est incroyable. Pardon, excusez-moi, ne me frappez pas. Ton regard 160p, c'est vrai que toi t'as toujours ta 160p. Aïe aïe aïe, toujours pas la fibre. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour l'amener chez toi? On va faire un collectif, la fibre pour Cid. C'est honteux. Oh, tu rigoles. Ah oui, non, pas le chibre pour Cid, effectivement. Ça, c'est lui que ça regarde, hein. Je ne veux pas ce genre d'information. Parce que là, il te drague depuis tout à l'heure. Mais je sais qu'il me drague, pendant que je bois mon café, voluptueusement. Ah, du café. Salutations. Donc voilà, on va parler tranquillement, j'aurai peut-être des petites anecdotes selon les souvenirs, parce que ça fait quand même 15 ans, cette extension. Que la journée soit bonne. Oui, je t'absorbe l'âme. Normalement, si tout se passe bien, bon, déjà, je vais sortir mon premier livre. Ensuite, dès que je décroche un contrat de travail, je me mets en coloc avec un bon PC et la fibre. Nice. Bah déjà, je te souhaite bonne merde pour la sortie de ton premier livre. Faudrait que tu nous partages ça. Et puis, vivement la fibre, hein. Pixel de luxe. Je suis censé faire un truc, mais comme j'ai pas lu, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Et comme je sais pas quel quête c'est, il faut que j'aille là-haut. Ok, il faut aller là-haut. Allons là-haut. Évidemment, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de les ignorer, d'y répondre, bien sûr. Hein. Ta-da-da-da-da. Du monde connecté, ça c'est la guilde dans laquelle je suis, dans laquelle je serai le Red Lead à la sortie de Naxxramas. J'ai envoyé un mail à l'imprimeur cet après-midi, j'attends sa réponse, puis après je contacte ma graphiste. Les Skong, mais nice, c'est bon ça.
J'ai jamais vu autant de sensualité dans un... Mais je suis pas en 8 bits, ma connexion est très bien. Je vois le retour, il marche très bien. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise, c'est pas croyable. Un peu par là, voilà que j'ai pas la tête qui sort du cadre à chaque fois que je tourne le regard. On va aller tuer du vircule. Les véhicules, ce sont les méchants. Si, là, une côte merde, oui, effectivement. Un café 8 bits. Et du coup, avec un flan pâtissier 8 bits, fait par Nairan. Quelle délice. J'ai marre de galérer, quelqu'un qui veut méditer. Ouais, ça, c'est... Toujours le souci. Écoute, tu as bien raison, fonce. Tu as confiance en ce que tu as écrit, il ne faut pas te priver pour le partager. Et fuck les haters. J'adore le flan pâtissier. Vous voulez me rendre heureux, vous me faites un flan pâtissier, c'est bon. Je demande pas grand chose. Hein. Mais Ran, tu m'envoies des cookies par la poste parce que je les ai teasés avec les cookies hier. Ou en tiers, je sais plus quand c'est. Les bang cookies. Là, la Nairn actuellement t'ignore. Hein. Toi, tu dois décéder pour la cause. Meurs, je t'éjecte. Et je te mets des coups de masse. Il ne me reste plus que la dernière correction à faire, puis c'est good ensuite. L'imprimeur, le graph, tout ça. Ouais. Il faut tout ça. Ce sont des choses qui arrivent. Il risque d'être tout sproch. Ça va faire sproch. En tout cas, je te souhaite bonne réussite, Sid. Bien évidemment. Ne m'oublie pas quand tu seras riche. Moi Vénal? En tout cas, vous parlez. Vous avez l'air bon. Bah, c'est pas juste une impression, je peux te le dire. C'était un ressenti global. J'ai une clé, j'ouvre une porte, hop, je libère les gnomes. Écoute, la prochaine fois qu'on passe à Lyon, on fera un crochet vers chez toi et tu auras l'air des cookies. Et je t'en dis, Nairan. Sims, good deal. Tu feras ton choix. Je ne t'oublierai pas, Baron, de toute manière, il se peut qu'un jour j'ai d'autres projets qui avancent et riches de payer une musique. Bah écoute, avec grand plaisir. Tu disais, pardon, je disais si en même temps. Ma formation en Suisse. J'en ai fait. Oui, tu m'avais dit, bah, je me souviens. Et il y en a qui me disent, ouais, ce serait bien que tu en manges une par personne. Il y en a qui sont venus voir en disant, je te promets, je les ai mangés que une par une. Mais ma personne en a pris une 4 fois. Je suis en train de me faire défoncer. Vers Lyon, je suis à 2 heures de route de Lyon. Bah, moi, j'ai toute ma famille à Lyon. Donc, quand on y va, bah. On va se voir un peu les gens. C'est un gros méchant, ça. Il va me falloir un peu de mana, un peu de vie. Franchement, même sans cookies, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, mais ce sera avec grand plaisir, mon ami. On va se mettre un petit bijou pour faire plus de dégâts, parce que là, c'est lent. Ouais, on se fera une irle un jour. Si tu passes en Auvergne, en passant, n'hésite pas, fais-moi signe, j'y suis, bah écoute. On est plus du côté de la Loire. Mais c'est plus ce côté Loire, ouais, c'est de l'autre côté du Rhône. C'est Lyon, quoi. Voilà, tu es décédé. Vous êtes décédé, nous sommes décédés. Une fois, on fait des crochets vraiment rarement par la Creuse. Non, pas fait, moi, encore. Pas fait encore, moi, ça. Et la Bretagne, évidemment. Bretagne et Creuse. Lui, il est lyonnais, et moi, je suis moite-moite, enfin, trois quarts bretonne et un quart limousine. Je raconte pas le bordel. Ah, si tu montes plus loin, j'ai genre un petit... La Bretagne, c'est vous deux. Dans la Loire, c'est celui qui passe à Lyon. Je suis non. Non, la Loire, ça passe pas à Lyon, monsieur. Clairement, ouais, géographiquement, il y a quelques dizaines de kilomètres. Le Rhône. La Loire, elle passe, elle est horizontale, elle part du centre et elle va vers la gauche. Tu sais, la gauche qu'on appelle l'ouest. Voilà, l'autre côté, quoi. Bon, toi, je vais te tuer, j'ai pris 15 plombs, on va éviter de recommencer. J'ai pas la clé, je peux pas l'ouvrir, évidemment. Si j'ai pas la clé, j'ouvre pas la cage. Mais non, c'est la Rhône-Elsonne, effectivement, avec le fameux quartier de confluence, représentant bah, le lieu où il y a la confluence de la Saône dans le Rhône. Moi,
moi à Genève, j'ai vu la naissance du Rhône. Ouais. À partir du lac. Ouais, ouais. La première jonction avec l'Arve. L'Arve. Oh, c'est très beau d'ailleurs la jonction. Le Rhône est translucide, quasiment transparent. L'Arve est blanc laiteux parce qu'il est très calcaire. L'Arve est à 5 degrés, le Rhône à 18. Représentant mon quartier, si. Mais le monsieur, là, il tue tous les méchants que je dois tuer moi-même. Laissez-moi des méchants à la fin. Je veux des méchants, là. Il me faut plus de méchants. Où j'en suis de celui-là? Il faut que je tue un peu de tout encore. Bah là 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 là. Un co-influenceur, c'est confiance. Exactement. Ardèche, j'ai vu la naissance de l'or au fameux Mont Gerbier de Jonc. Ça rigole plus, là. Le mont Gerbier de Jonc. Ça vend du rêve, un petit peu. Toi, tu décèdes. Toi, tu vas me donner une clé, toi, je te le dis. Si. Balance ta clé. Zbla, zbla. Qu'est-ce que tu vas faire face à la puissance de mes éclairs? Oh, faut que je fasse un rap chaman. Le chamélem. Qui fait du rap. Il faudra la plus le faire avec cet accent. Raté, j'ai voulu faire un accent russe, c'est un échec absolument total. Lui, là, toi, ici, il manque plus qu'un. Donc il faut que je trouve un. Un qui. Il y a du un qui là-haut. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est une gargouille, j'en ai pas besoin. J'ai gerbier de gens. Balance ton passe-partout. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Magnifique interprétation. Ah, toi, je dois te tuer. Si je dois te tuer, on va te tuer. Totem. Et on tape. Ra. Ratatatata. Je guide les casse-coups. Dans les traquenards. Ah, il faut que j'enlève ça parce que lui, sinon, il va venir. Venir me les prendre. Il m'a slow. Je vais doucement. Alors oui, je vais sortir du jargon World of Warcraft-est. Est-ce que, je sais pas comment on dit. Wooien. Mais c'est nul à l'oral. Ça se passe bien à l'écrit, mais à l'oral, ça se passe pas du tout. N'hésitez pas, hein, évidemment, s'il y a de la vocable que vous ne comprenez pas. De la vocable. Il a tué le pigeon. Il a tué le pigeon. On dit le vocabulaire des no-life, non, exactement. Toi, tu... Bah, je vais tuer le pigeon aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un quelqu'un que je dois tuer d'intéressant ici, là? Toi, va-t'en voir un peu ailleurs si j'y suis, là-bas. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes prié de décéder généreusement. Bien à vous, Baron Van Berg, qui vous met des gros éclairs dans la tronche. Je suis Thor, j'invoque la foudre et le tonnerre. Zbla! Zbla! Hop là. Avec un coup de foudre dans ta bouche. Je vous en prie, faites-moi sortir d'ici. Je dois sortir si je veux, combien tu payes? Il crut que j'allais faire payer gratuitement. Payer gratuitement, carrément. Je suis la France. Respecter mon niveau orthographique. Il y a autre chose que je dois récupérer encore. Là, j'ai le corps. Il faut que j'aille tuer Glacion. Ah, Glacion, il est là. Comment je le fais venir, Glacion? Il faut que je monte là-haut. Je vais montrer après. Il faut que je tue encore d'autres bestioles par là. Pas des bestioles, c'est plus des humanoïdes que des bestioles, mais... Toi, lanceur de runes, viens à moi. C'est moins cher que gratuit, exactement. On dirait un vendeur de tapis. Je vais tout doucement, un pas après l'autre. Je me suis écouté les cornichons de Nino Ferrer juste avant de faire le stream, a peut-être pas dû. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, exactement. Je suis le produit dérivé de la déviance de l'humanité.
Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Toi, je te prends avant que le voleur arrive. Le cavalier vient de me passer à côté en mode de... Je m'en fous, je l'ai pas vu, il se passe rien du tout. Arrêtez de me donner des clés, par contre, à un moment, j'en ai plus besoin. Alors, il faut quoi encore comme bestiole? Il me faut un lanceur de runes et deux gardiens. Très bien, très bien. Voilà, là-bas. Je t'ai vu. Caché derrière ta petite prison. T'es un fourbe, s'il donne des clés, c'est que tu comprends. Lol. Tu ne lanceras pas d'éclair sur moi. Paf! Décède. Viens à moi. Eh, confiance, le lol s'est énervé. Ou pas de quoi tu parles? Ça c'est bon, là c'est bon, ça c'est bon. Ça, une peau du gardien. Ah, chute! Ah, j'ai chu! Ah! Je suis tombé du muret. Évidemment, il est venu me... Hein? Tu viens de m'enquiquiner, là? On va voir ailleurs si j'y suis. On revient par là, en fait. Tu vas être trop doux de partir là-bas, au fond. Maintenant, c'est la gargouille qui s'y met, mais incroyable. On peut pas être tranquille ici, quoi. Mourez donc, vous allez voir. Je vais vous apprendre ce que c'est la véritable puissance. Je viens de me faire défoncer la tronche, je sais pas par quoi. Je suis complètement coincé, il y a la grosse bébête qui arrive. Mais je vais mourir? Non, ne meurs pas! Ça va, je vais pas mourir. Je suis pas venu ici pour souffrir, hein. Magie. On augmente la vitesse d'attaque. Je ne fais pas de vitesse d'attaque, j'ai fait de l'incantation. Je t'ai ché à la bouche, mon gars. J'ai vu qu'il y avait un autre... Ah bah super, j'ai aggro le pigeon du coup. Monsieur le gardien vient là. Du coup, il est mieux, je regarde une moitié de l'autre douleur que ça marche. Moitié is bien. Comment ça va, Stavanas? Monsieur le pigeon? Merci de venir à moi. Votre décès était annoncé. C'est bien, tu es un gentil petit. Maintenant, il faut que j'arrive à défoncer Glacion. Qui se situe actuellement, je ne sais pas où. On va commencer par régénérer tranquillement son mana. Je mange et irai en même temps, comme ça c'est parfait. Tranquille, et toi tu joues à un jeu du vieux. Je joue à un vieux jeu, c'est pas pareil. Oula. Ça m'a surpris. Pas grave. Bah ouais, World of Warcraft, mon premier amour, le premier jeu de ma vie. Je ne pouvais pas ne pas vous présenter ça, et de toute façon, vous allez en avoir un petit peu qui va sortir, parce que je me lance dans voter LK classique, et c'est trop bien. On voit l'ombre du dragon par terre. Mais je sais toujours pas où aller pour l'attraper. Alors peut-être que... Ah. Cependant, si j'interprète correctement ses plans, souffler dans le corps Mandworm sur la plateforme qui se trouve dehors, sur la gauche, à l'arrière de la... Enfin, une inglation. C'est quoi la plateforme en arrière à la gauche? Ou là-bas? Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Si, c'est ça. Hein. Je me mets ici et que je souffle dans le corps. Ah bah en fait, c'est le... Là où il y avait le monsieur ici. Tout simplement. Il joue parce qu'il a un déni de prise d'âge. Je jouais que t'étais même pas né. Oh, peut-être pas à ce point-là non plus, quand même. Glacion arrive. Ouais. L'Odyssée de l'espace.
Allez, on va sortir son gros talent. Allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il est un peu complètement buggé, le monsieur. Hein. Voilà, je lui ai tout mis dans la bouche. Il n'avait aucune chance, monsieur. Disparition. No joke, j'ai que j'ai 20 ans. Bah oui, mais je te crois. Si jeune. C'est-à-dire que quand WoW est sorti, il avait 4 ans. Ouais. C'est ça. Et lui, il pouvait même pas faire des quêtes journalières pour ses parents qui jouaient ou son grand frère ou sa grande soeur. On les connaît, les enfants exploités. Même pas subservant. C'est ça. Scandale. Non, mais moi, bientôt, Maëlle, il va y passer. Hein. Alors, on en a pas parlé. Effectivement, quelle superbe idée. 6 ans, c'est le bon âge, non? C'est pas à cet âge-là qu'on fout les enfants devant un PC pour qu'ils nous laissent tranquilles? J'ai raté une étape? Ah, mince. Pour revoir mes plans. Mmh. J'ai oublié ma bouteille sur la table derrière, tu me la passes s'il te plaît. Il faut que je... Non, je vais te la donner et je vais aller me coucher. Ok. Yes, yes. Da 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 da. J'ai jamais touché à WoW, je suis depuis toute ma vie un jeune stratégie, je jouais à WoW à 6 ans. Non, bah, 6 ans, Age of Empire, quoi. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est pour ça qu'il est tout cassé. C'est pour ça qu'il est tout cassé. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui va. C'est ça. À 6 ans, il apprenait à détruire ses ennemis. J'ai joué à GTA 5, comme ça, c'est parfait. T'apprends à enrôler des putes ou savoir si tu dois les tabasser ou les payer. C'est ça. J'éclatais mon père. Ou alors, il te laissait gagner pour pas te vexer. Ah ouais, non, mais à 6 ans, t'apprends les bases de la stratégie, et à 8 ans, t'apprends les bases de la stratégie commerciale. Un âge pour toutes les étapes de la vie. Il a toujours été nul. Ah, ça, après... Pas donné à tout le monde, hein. Jouer contre un nul, c'est pas drôle. Mais quand t'as 6 ans... Avec ce que t'as. Un honneur, vraiment. À la prochaine. Merci, Missou. Toi, j'irai te voir après. On va les rendre les quêtes. À 6 ans, je joue à Age of Empire 2. Aujourd'hui, je joue à Total War. Mais Total War, c'est génial. C'est beaucoup trop bien, les Total War. Oui, ta bouteille. Oui, une bouteille. Oula. Il faut que je t'accompagne. Super. Ah! OMG, attendez, il s'est rien passé, Non mais regarde. Regarde. Wouah, Blanquisno, OMG le streamer. Mais non, parce que j'ai mis Wizbot et j'ai oublié de l'enlever pour les follow et tout ça. Total War, c'est la vie, j'ai hâte d'avoir mon PC, mais la campagne de soir, je joue en coop avec des gens, ça c'est bien. Comment ça va, copain Blanqui? La forme depuis tout à l'heure? T'as dormi ou pas encore? Non, pas encore, toi. Tu vas essayer de dormir un horaire normal aujourd'hui, hein, si j'ai bien compris. T'as vu ça un peu de date streamer? Franchement, si c'est pas le plus beau et le meilleur des streamers, je sais pas ce que c'est. Hein, Avec un fond vert qui est pas du tout en train de bugger, c'est faux. De quoi tu parles? Je peux pas paramétrer avec les pieds du tout. Oh, plein de quêtes à rendre. Oh, ça va me faire 5% d'XP, c'est génial. Allez, donne-moi ça. Faites un bon voyage. Mon Blanqui, ramène-toi là, on va spammer les donjons un peu. Ouf, qu'on pex. Oui, je suis fou. J'aime ce jeu et il me rend fou. 73, ça rigole plus. Blasphème 74, mais il a plus de ville, monsieur, il ne s'arrête pas. Je vais même pas 72, quoi, je vais être le dernier à baser 80. Désolé, je tapais un mob. Ouais, j'ai... Ah, t'as dormi du coup, t'as craqué finalement, donc du coup tu vas nous faire un stream cette nuit alors. 9h-14h, ah oui, c'est pas le petit dodo quoi, t'as fait une presque nuit complète. Bonjour, on se voit plus tard. Ça fait une nuit fort sympathique.
Il faut que je pense à mettre la fameuse piste 6 sur OBS pour pouvoir mettre de la musique, parce que là c'est triste sans musique. Non, déjà ce qu'on va faire, attendez. Je sais qu'il y a des musiques pour lesquelles je me ferai pas claim. Celle-là c'est sûr et certain. No chance. Hop là! Hop! Vous me dites si la musique est trop forte, bien sûr. J'ai Rododo sous le nez et je commencerai demain matin au PEC, ça marche. Je mets des OST de jeux vidéo, ça passe souvent, je crois, non? Ouais, ouais. Où je mets là. C'est un peu fort là. Là, comme ça, ça devrait être bien. Celle-là, je suis sûr que je me la ferai pas clair. Oh, faut retourner tuer des machins encore. Il y en a partout. Un petit peu d'électro, là, ça réveille. Ça, c'est une des toutes premières que j'ai faites, celle-là. Évidemment, si vous arrivez sur la chaîne, ça, je fais de la MAO, du beatmaking, et c'est une des toutes premières musiques que j'ai réalisées. Je me souviens, quand je faisais les journaux, ça, je me tapais tous les matins. L'OST d'Age of Empires 2. Ça faisait toute ma tournée à chaque fois en même temps, c'est stylé. Non, mais faut que je... Il y a moyen de mettre en fait une piste audio qui est diffusée en live, mais pas sur... pas sur la VOD, donc pas de risque de strike, et puis comme ça au moins... Il faut que je regarde comment ça marche, je me suis pas du tout penché là-dessus, donc je ne sais pas. Ça doit pas être bien compliqué, ça va, je vais m'en sortir, mais bon. La fameuse piste 6, c'est ça. C'est tout tu fais le faisant ça. Do. Parce que le flan pâtissier c'est bon, mais c'est un peu sucré, donc ça donne soif. J'avais un téléphone aussi, je sais pas où il est passé. Bougez pas, je reviens. Je reviens tout de suite. Et je suis revenu, mais c'est incroyable, j'avais dit que je revenais et je suis revenu. C'est complètement dingue, il s'en passe des choses. Ouais, c'est cheap et je m'en fous, je me suis éclaté comme un fou à les faire et j'ai appris plein de choses en les faisant. Si vous êtes pas content, et bah vous êtes pas content déjà, premièrement. Je peux pas y faire grand chose d'autre. Blanky, t'es toujours là, Blanky? Faut que je te fasse écouter une chanson troll que j'ai faite. T'es toujours là. Nick, si Blanky est toujours là, t'auras le droit à ton morceau préféré. J'ai dandiné de la tête pendant que t'étais pas là de lui. Tu sais, c'est pas. Attends. Ah, attendez. Parce que ça vaut le coup, je vais me mettre là, au pire je mourrai, tant pis. Ça c'est pour Blanky, ça. Un troll que je me suis fait avoir par ma petite communauté. Hein, j'avais mis un défi en point de chaîne où on faisait une chanson en direct des followers, donc ils ont tout choisi, absolument tout. Et moi je me suis retrouvé à devoir me démerder avec ce qu'ils choisissaient. Super canard ma gueule. Alors ça, hop, ça, hop. Est-ce que vous êtes prêts? Nicrax? Es-tu là, Nicrax? Est-ce que tu es dans le coin, mon ami? Nicrax? Tu as 3 secondes pour répondre pour le kiff. Je n'ai jamais écouté celle-là. Ouais, mais elle est pas vieille en même temps. Alors,
Faites pas attention aux compétences vocales de l'être se trouvant devant la caméra actuellement. Hein, il ne sait pas rapper, il ne sait pas chanter. Le monsieur, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. On met le son à fond. On regarde ici. Je suis toujours pas mort. Eh bien, les amis, je vous laisse kiffer. C'est canard vexé, je suis déter, tu peux pas me stopper. Contre les ours et les méchants, nous les canards, on se défend contre le coin, fait tout péter. Supersonique, venez pas tester. Toute la bagarre à coups de palme, faites parler chaud, nous on vous calme. Bonjour, démonstre. Sire Pezet. Encore une victoire de canard. Moi t'en veux. La plume est plus forte que l'épée. T'inquiète. Je suis super canard, plus fort que Magneto, le roi des shonen, meilleur que Naruto. Quoi qu'on en dise, je respire pas par le fiac. Je perds jamais un combat, j'en sors toujours intact. Tu pensais pouvoir me prendre pour un pigeon. Tu promets de la farce, tu seras le dindon. N'aie jamais une plume, t'inquiète, votre haine, je l'écume. Foi de canard, j'ai peur de rien, ni des confits, ni des requins. Rififi loulou t'en fume dans mon gang, on te laisse dans la brume. Tu sais avant Donald, y'a R, là que je te picore en enfer. Encore une victoire de canard. La super canard. La plume est plus forte que l'épée. T'inquiète. Je suis super canard, plus fort que Magneto, le roi des shonen, meilleur que Naruto. Quand qu'on en dit, je respire pas par le fiac. Je perds jamais un combat, j'en sors toujours intact. Tu pensais pouvoir me prendre pour un pigeon. Tu promets de la farce, tu seras le dindon. Je suis super canard, plus fort que Magneto, le roi des shonen, meilleur que Naruto. Quand qu'on en dit, je respire pas par le fiac. Jamais un combat, j'en sors toujours intact. Tu pensais pouvoir me prendre pour un pigeon. Tu promets de la farce, tu seras le dindon. Envie de canner, mais non, monsieur, tout de suite. Tout de suite, le mec, envie de canner, là. C'est bien sûr, cette chanson est à prendre 8 millième degré, hein. Soyons bien d'accord. C'est rigolo! Canet giga genou. Ha! Ça, c'est du jeu de mots. Bah, tu t'es fait. Bah, ouais, ouf. Hey, Festus, bonsoir, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Tu as dû arriver en plein milieu de Super Canard. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour me découvrir. Bienvenue à toi. Comment ça va bien, mon cher? Merci pour ton follow. On va se remettre un peu de musique, on va changer un peu d'ambiance. Voilà, plus chill. Toujours moi qui compose, évidemment. Du début à la fin, les musiques que vous entendrez sont composées par moi-même. Je n'ai aucune prétention, j'ai commencé il y a moins d'un an, bien sûr. Je ne prétends pas être un génie de la musique, mais voilà. Je suis content de mes progrès, de différentes choses que j'ai pu faire au fur et à mesure. Tranquille, c'est... Effet. Merci à toi pour ton follow, ça fait plaisir. N'hésite pas à me dire si la musique est pas assez forte, trop forte, etc. Bien sûr. Non, ça t'a pas fait rigolo, ça t'a pas fait rigoler le super canard, monsieur? Monsieur Blacky, c'était drôle. T'es pas un génie de la musique, tu es un ours de la musique, c'est ça exactement. Daddy King Bear. Évidemment. C'est chill, on est posé. Là, on est bien. C'est bien. Voilà, je suis bien, je bouge plus. Allez, monsieur. C'est pas lui que je vous laisse, pas grave. Bear Power, yeah.
fois, je vais pouvoir taper. C'est bon, t'es plus urgent de vision, monsieur. Merci beaucoup, c'est fort aimable de ta part. Qu'est-ce que j'avais oublié, comme c'est long de pexer dans cette extension. Prendita. J'avais vu un autre monsieur par là-bas, non? Non, ok, très bien. Il doit y avoir des vircules dormants, je ne sais pas où ils sont. Viens là. C'est peut-être un peu trop mou pour pexer cette musique. C'est... Elle est cool mais un peu molle. On va changer. Cool mais un peu molle, super. Alors. Hop là, on met la playlist en route. Un peu plus d'énergie. Ça, c'est, je les ai faites il y a quoi? Il y a 6 mois, ces musiques, j'ai l'impression que c'était une autre vie, quoi. Impressionnant comme le temps passe. C'était une autre époque. Ruskos vibe. Toi, j'ai besoin de te tuer? Non, ça va, y'a pas besoin de te tuer, une fois ça suffit. Hein. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée, bisous sur vous, bisous à toi aussi, merci encore d'être passé. Et à la prochaine! Oh là là, je faisais du chip à l'époque, enfin à l'époque, c'était il y a 6 mois, mec, arrête de faire genre t'es devenu un pro entre temps, c'est faux! Et quand on s'adonne à sa passion, le temps n'a aucune importance. Ouais, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre, hein, vous en faites pas, je vous en voudrais pas, je... Et des fois, je ne me valide pas moi-même, c'est pas grave, tout va bien. Je suis pas en JCJ, t'as de la chance. Il y a que des hordes, au secours, à l'aide. À l'aide, venez m'aider, sauvez-moi. Bâtonnet d'éveil. Viens t'éveiller, monsieur. Va mourir de l'Orion. Je pense que ces belles paroles que je veille dans ton artiste. Le nécro, Seigneur. Oui, mon Seigneur, vous devez décéder au nom de la sainte glorieuse lumière. Ave. Est-ce que je l'ai eu son bâtonnet à lui? Non, celle-là, je suis pas fan. Celle-là, je vais la passer. Le nécrophage, il doit décéder. Un mail de Twitch qui me dit que j'ai un nouveau follower, incroyable, mais qui est-ce? Je me demande bien de qui il s'agit. Oh, je vais regarder... Bâtonnet de l'éveil, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. À quoi ça sert le bâtonnet de l'éveil? Toujours le véhicule endormi le plus proche. Ok, faut que je trouve des véhicules qui dorment. Ça doit être dans les catacombes en dessous. Alors, toi, hop, je l'ai sur mon bas. Allez, hop, viens ici, on va pas se faire la terre entière, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que ça donne un peu, ça pas trop bouge. Ils sont lents, les gens, dans le guide, je sais pas ce que t'en penses, Lanky, je trouve qu'ils pexent pas très vite, les gens. Dixit, le mec qui est à la traîne. Je puisse oxyre l'ennemi. Ok. Je ne vous laisserai pas ruiner. C'est pas là que je voulais aller. C'est pas la bonne entrée. Mon royal épouse,
Ups. On bouge la tête. Yeah. Ouais. Et à droite. Et à gauche. Et à droite. Monsieur, il me crie dessus. Au secours, à l'aide. On me crie dessus. C'était où est-ce que je devais aller déjà, moi? Me tenais d'éveil, ça c'est bon, je crois que je suis revenu à... Ok, on va partir en donjon d'ici 15 minutes, on va les pecs un peu dedans. Ça c'est la toute première que j'ai faite. Monter un peu le son, ça va être catastrophique, soyez prêts. Ça c'est ma toute première création musicale. Par contre, au secours, où je dois aller? Ils sont où les vikings viricules dormants là? Anthony, hein? Ça doit être ça, c'était par là. Ça doit être là, hein. Je vois pas d'autres possibilités possibles. Hein. Hey, du monde au secours! Extrêmement répétitif. C'est un peu mon problème, j'ai du mal à sortir du côté un peu carré de la musique quand je produis. Je travaille dessus, je me soigne, mais encore du boulot. Allez, on s'ambiance, ouais. Je vais voir toutes les mains levées au chat. Vous êtes fatigué. C'est une catastrophe. Je suis désolé, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais c'est pas par là. Je l'ai trouvé tout à l'heure en y allant alors que ça servait à rien. Et maintenant que je veux le trouver pour de bon, je le trouve plus. Faut quand même pas bâcher des véhicules toute la soirée, quoi. Please. Va voir ailleurs si j'y suis, toi. C'était beau. Il m'a bump en l'air pendant que je l'ai bump en arrière. Incroyable la synchronicité. Alors, pop extrêmement vite là-dedans. Toi, non. Toi, on s'en fiche. Miron, c'est pas pour tout de suite. C'était où? Nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Gu. Nom de Gu, de nom de Gu, de Gu. Excusez-moi, je suis alors. À propos des poules, là, comment est-ce qu'on fait? Pour la peine, on va défoncer cette bestiole là. Celle-là on a déjà écouté tout à l'heure, donc c'est bon. Peut-être un peu plus récent, quoique pas beaucoup plus. Je vais aller faire du donjon dans pas longtemps avec Monsieur Bazon. Je vais de ce pas aller le rejoindre sur Discord. Et il faut que je me remette par contre. Raccourci clavier, on va se remettre en raccourci clavier.
Ajouter un raccourci pour ce pop-up. Activer, désactiver le tri-micro, voilà, et on va le mettre là-dessus. Parfait. Pas non plus. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Ça va et toi? Bah ça va, j'ai cru que j'étais mute parce que je viens de mettre le raccourci pour mute le micro pour éviter de spammer. Du coup, faudra que je... C'est possible qu'à des moments je te parle et que je sois mute, je sais. C'est normal. Ouais, bah, c'est Ika le subit tout le temps parce que je fais toujours la même chose. Je fais toujours ça aussi. Donc voilà, je saurai ce que c'est. D'accord. La joie. Pas de soucis. Hein. Non, je disais que là, je vais sûrement améliorer mon DPS pour pouvoir cet après-midi puisque j'ai amélioré mon. Déjà au niveau du trinket, il n'y aura plus de soucis. Hein. Il sera tout le temps actif. Nice. Donc voilà. Après, c'est plus. Et j'ai pas le même. Le Wikora, celui-là, il est mieux quand même. Le Luxtos, il est pas mal. Hein. Ouais. Faut juste que je m'habitue à regarder le Wikora et pas forcément mes boutons. Ça, c'est un long travail, hein, effectivement. Ouais, tu m'étonnes. Ah, est-ce que ça, c'est un prisonnier? T'es sur quoi là? Je suis sur mon cheval en train de quitter tranquillement au fjord. Ouais. J'ai passé à peu près 10 minutes à chercher la salle dans laquelle je devais rentrer. Ah ouais. Mais c'est moi, je l'ai trouvé. Ah, est-ce que ça va être par là, alors? Je me disais qu'il faut que je trouve la fameuse piste 6. Ça peut être bien. La quoi? La piste 6 pour mettre de la musique sans le DMCA. Que c'était ça sur les VOD. Moi, je le passe un jour. Du coup, je me réécoute mes premières créations. Comme ça, moi, je suis sûr que j'aurai pas de problème de droit d'auteur. Non, il y a un souci, ouais. Ah bah, si je m'auto-clame, je sais pas comment je me paye. C'est une cause perdue d'avance. Là, je suis pas rentable à ce niveau-là. Non, je pense pas, ouais. Non. C'est pas une bonne solution. Bon, l'endroit que Didou m'a filé là. Ouais. Pour Malter, là. C'est très bien. Pour les étoffes. Ouais, par contre, ils sont tous. Je sais plus qui a dit. En plus, ils sont plus élites. Ils le sont toujours. Ah ouais. Oh oui. Ah bah, mais bon. Sinon c'est pas drôle. Après c'est des élites niveau 60 quoi, donc même pas. Ça passe bien quoi. Ouais, ils ont quoi, je sais pas, je sais plus combien ils ont PV. 5000, 6000 je crois. Oui, ça va. Ouais. C'est à peine, ouais. C'est moins que les mobs de l'enfant donc. Ouais, j'étais par 6-7, ça passe bien quoi. C'est ça les fameux véhicules endormis. Je les ai trouvés. Ça faisait un moment que je les cherchais. Alors, ça va venir ici. Ça, j'en ai plus besoin. Hop là. Tu seras plus de quoi, Nexus ou... Nexus, le problème, moi, c'est que je peux pas y aller. Enfin, je peux pas y aller. Faut que je fasse le tour de... Bon, peut-être bien. Mais oui, s'il y a du TP, moi, je... Ah, moi j'ai deux quêtes au Nexus, après. Et bah go. L'un ou l'autre, je la ferai après aussi. Hein, mais... Oui, non, oui. Je vais juste. Là, je vais transformer mes étoffes. Yes, vas-y, je t'en prie. Je vais faire des machins. Ensuite, je vais les daze. Ensuite, tu fais des bidules ensuite, et quand t'auras les trucs, ce sera des choses. Je vais faire les trucs et logiquement, ça sera bon pour les autres trucs. Okay. Bon, on est sur la même longueur d'onde, parfait. Hop. Toi, tu dors? Bah tu dors plus. Toi tu dors? Tu dors plus. C'est vrai que j'ai jamais été dans cette zone, les Malters de l'Est. Moi je l'avais fait à Vanilla, quel plaisir. Jamais. C'était un enfer cette zone. Avec les trous. Attends, il faudrait que je teste un jour. Avec les trous partout et tout. À l'instant c'était sympa à faire. C'est long, si c'est où il y a l'épuration. Ouais, c'est ça, c'est l'épuration et. Faut que je la fasse. L'escoulement. C'est quand même un moment mythique de Warcraft 3 que j'ai adoré. Ah enfin, bah... non, que j'ai détesté. Oui. Mais... Je déteste en fait les maps où t'as du temps. Ouais. Tu te dépêches de faire quelque chose. Oui, surtout sur les jeux de stratégie comme ça, c'est vite stressant quoi. Moi j'aime bien prendre mon temps, mettre un max de personnes et après, vous ruiner quoi. Ouais, ouais. Moi je suis un peu dans le même genre.
Sauf quand tu joues à StarCraft et que tu fais les ergs, mais ça c'est les gens qui ont pas de race qui font ça. J'ai jamais joué à StarCraft en vrai. Ah le fameux le fameux rush six zerg, dur à dire, j'ai du mal à parler ce soir. Il était dévastateur si tu faisais pas attention. Ouais. Bah en fait ouais, tu vois ce que c'est les zergs de toute façon, enfin je vois que tu imagines que tu les connais. Les zergs oui parce qu'en fait j'avais un ami qui jouait on faisait du Warhammer 40 000. Ouais et du coup il y avait les zergs. Ils avaient pris un machin qu'ils avaient enfin je sais plus c'était pour les bestioles. Et il les avait mis aux couleurs des herbes, justement. Ok. Du coup, il y a une petite espèce de saloperie d'unité Zerg qui s'appelle les Zerglings. C'est une unité qui est ultra faible, mais qui est ultra facile et très rapide à faire. Ouais, je vois. Et donc, du coup, le truc, en fait, c'était du all-in, par contre, ce trat. Mais en gros, tu faisais 6 bestioles comme ça, très très vite dans la partie, là où l'autre en face avait à peine le temps de faire des péons pour faire ses ressources, quoi. Ouais. Du coup, t'allais l'attaquer avec ça, et après, il fallait faire de la micro-gestion pour gérer tes pécores, sinon tu te les faisais défoncer, puis tu rageais, et puis t'insultais tout le monde. Les mamans, les tontes, les ancles, les arbres, les poteaux, tout ce qui passait à portée. C'est ça. Non, moi j'ai toujours eu prendre mon temps ce genre de... Ouais, après StarCraft, je jouais en compétitif, enfin compétitif, en classé. En compétitif, on peut pas déconner, j'étais diamant, c'est pas non plus... Du coup, quand tu joues en classé sur StarCraft, tu prends pas le temps. Les autres ne te laissent pas le temps. En fait, c'est même. Ça m'a jamais plu de faire du compétitif ou même du PVP sur ce genre de truc. Tout simplement parce qu'en fait, limite, quand tu joues en mode pro, c'est limite, ok, alors à 40 secondes je fais ça, à 40 secondes. Ah oui, non, mais c'est ça, c'était ultra timé. Mais sur StarCraft, l'avantage par rapport à beaucoup d'autres jeux de gestion et de stratégie comme ça, c'est que les combats, tu peux vraiment les micro-gérer au poil de cul près, faire tes groupes. Enfin, c'est ultra dynamique les combats. Et t'as autant de skills à avoir là-dessus que sur la gestion, si ce n'est plus quoi. T'as des mecs qui arrivaient avec des armées bien inférieures à la tienne, mais qui les géraient tellement bien qu'ils te roulaient dessus parce qu'ils prenaient ses unités, ils les mettaient à l'écart pour pas qu'elles meurent pendant qu'ils faisaient des trucs. Enfin, les pros ils montaient à 400 APM, enfin, c'est n'importe quoi. Après, tu voyais des Coréens jouer là-dessus, les mecs ils sont pas humains sur le jeu. Mais bref, ouais, c'était quelques années de rage aussi parce que voilà, c'est frustrant. C'est pas au niveau de LOL, parce que tu peux t'en prendre qu'à toi-même, mais la rage monte pas bien loin du... On va dans tous les jeux, hein. Bah, du moment qu'il y a un peu du PVP, de toute façon... C'est ça, hein, déjà, dès que tu joues un peu quelqu'un, c'est fini. Et généralement, t'en veux moins aux autres qu'à toi-même d'être nul, tu vois, c'est... Mais ça, on l'extériorise sur les autres, là, la problématique. Ouais, c'est ça. Et ouais. Bon, je suis en train de faire mes bandeaux, pour me donner, logiquement, des... J'ai enfin fini mes quêtes là après avoir cherché pendant des années. Je me suis fait quand même pas mal de commandos. J'ai dû en faire 400, enfin 400 set-off. Ah oui, ouais. Pas mal, effectivement. Ouais, ça va. Ça en fait quelques-unes. Bah écoute, j'espère que j'aurai assez de poudre d'ici. J'espère que ça me donne des poudres d'illusion, sinon je pète un câble. Ah ouais. Mais attends. Retournez farmer tout ça. Oui, parce que Bazon, c'est le gars qui décide de farmer l'ancienne extension quand la nouvelle sort. Ça va. Ouais, ça me donne des illusions. Ah, tu sais que c'est ce que je voulais. Hein. C'est ce que je voulais. Ça va être pareil pour moi, hein. Tu sais que j'ai toujours pas monté mon minage ingé encore. Ah, c'est honteux. Ouais, mais le minage, c'était tellement relou. T'avais pas de minerai pendant le patch. Tellement de monde qui était en train de farmer que... Donc du coup je me suis dit, une fois que je serai 80, avec suffisamment de stuff, j'irai farmer un peu, il n'y aura plus personne, ce sera beaucoup plus simple. Ouais. Bon, j'ai pas beaucoup de poudre d'illusion quand même, avec ce que j'ai farmé là. Bah ça demande beaucoup d'étoffe de faire la couture. Ouais. On verra si j'ai assez pour... Écoute, sinon tu seras bon pour une autre session de farm. À chaque fois, quoi. Tu parles. C'est pas avec ça je vais aller loin pour l'enchant. Hein. Bon courage. Mais en plus, le truc, c'est qu'après, la prochaine poussière pour les 10 néants, mais j'en ai plein. Ah oui, parce que t'as tout farmé
en PEC 100 quoi. Et encore, attends, enfin, je suis pas sûr que j'en aurai assez. Hein, mais... Ouais, mais t'en auras déjà une bonne partie. Puis tu peux en faire. Il faut juste que j'arrive à 325. Oui. Dès que je suis à 325, c'est bon. Comme ça, j'ai le tis. Le tis néant. Je peux death de tis. Le tis de givre. Ah oui, givre, oui. Ouais. Enfin, je peux death après, je peux pas. Il faudra quand même que j'aille armer des donjons. Mais j'ai testé en paladin la fournaise, en solo. Non. En NM, faut, en tank, tu peux le faire. Pas en druide équi, pardon. Oui, non, en druide équi, non. Non, c'est, non, t'es... non. Quand tu seras niveau 80, ça passe, mais niveau 70, c'est compliqué. Ouais. Non, faut jouer pas le tank ou des 4 tanks, là, ça passe bien, quoi. Après, tu peux. Rien ne t'empêche, de prendre ton pas le tank, d'aller le fermer le donjon et t'envoyer les compos, et que c'est tout. Ouais, bah, de toute façon, je vais prendre le pas le tank, ouais, de toute façon. En même temps envoyer les LQE verts qui tomberont, donc tout bénef. Oui, oui. Bon, allez, je prends le téléphone. En avant, oui, oui. Avec son beau taxi. Ah, j'ai des enfants aussi. Mais c'était il y a longtemps, moi, la Oui Oui. Ah non, ils ont jamais regardé Oui Oui, ils regardent jamais, c'est traumatisant ce truc, tu rigoles. Ah, moi c'est Dora, tu vois. Ah non, non, ça, non, c'est mort. Ils regardent, mais sans moi. Ce genre de truc, nous, on choisit. Nous ils regardent plutôt Miyazaki, tu vois, c'est un autre niveau. Ah ouais, ouais, moi c'est plus enfin, alors pas musical, tu vois. Pas tous les Miyazaki, on est bien d'accord, on leur a non, pas montré Princess Mononoke ou ce genre de choses. Bah attends, ouais, Chihiro, peut faire peur au début. Hein. Ouais, non mais c'est... Le royaume des chats... Ouais, le château ambulant... Kiki la petite sorcière, ce genre de choses-là, ça passe nickel, ils sont... Et on leur donne une bonne culture comme ça. Au moment où ils commençaient à regarder la patte patrouille, j'ai regardé un peu avec eux, j'ai dit bon, j'ai pas envie qu'ils finissent complètement stupides, on va arrêter. La patte patrouille, je sais pas si t'as regardé, mais c'est à un niveau. Oh là là. Je connais, ouais, ils ont beaucoup regardé. Oh là là, la patte patrouille, quand tu regardes, c'est nul, y'a rien quoi. Patte patrouille. Oh là là. Et qu'il y a une embrouille, patte patrouille. Ah ouais, non. Moi après, les dessins. Mon fils, là, il lit beaucoup de mangas, mais bon, il a 10 ans donc. Oui, donc il est forcément limité dans ce qu'il peut. Donc c'est ça va, enfin voilà, ça passe, mais après, ouais, oui. Par contre, ouais, il dit pas tout quoi. Bon, après, tu sais. Il avait Fly le premier. Dragon Quest, ça va, ça passe bien. Alors que quand Goku il éclate la tête de Freezer, ouais, bah oui, évidemment, un enfant de 10 ans. Ouais. En vrai, je pense que Dragon Ball, ça peut passer. Dragon Ball, ouais. Dragon Ball Z, peut-être. Ouais, Dragon Ball Z, ça commence à être un peu plus trash quand même. Hein. Peut-être, ouais. Bah, ouais. Bon, Dragon Ball, c'est encore 12-13 ans, je dirais. Mais tu sais que j'ai rencontré des gens qui ont laissé... Alors, je sais plus s'il a lu ou vu, je sais plus si c'est le manga ou l'animé, Tokyo Ghoul. Bah, tu sais, moi, j'ai... Tokyo Ghoul, à 6 ans. Alors, moi, j'ai mon fils, dans sa classe. Ouais, bah, AOT. Qui ont lu, enfin, qui ont regardé déjà... Attack on Titan, ouais. L'attaque des titans. Ouais, mais pareil aussi. Épisode, bah, la maman se fait bouffer la tête par le géant. Ah oui, non, mais. Voilà. Mais t'as déjà vu Tokyo Ghoul? Non, j'ai pas vu ça. T'as un épisode entier de torture. D'accord. Torture, genre même toi adulte, t'es pas serein quand tu regardes quoi. D'accord. À 6 ou 8 ans. Par quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est un dessin animé, je pensais pas, mais c'est pas un dessin animé, tu te renseignes un petit peu avant. Ça ouais, c'est un autre problème. Par contre, côté musical, tu vois, la souris verte, elle est jamais passée. Ouais, non, nous c'est pas... Non, nous, j'écoute de la vraie musique, enfin, Joseph, pourquoi elle met des trucs de teubé. À 2 ans, elle chantait Foo Fighters, quoi. Alors après, si, il y a une souris verte, enfin, des comptines et tout, mais pour s'endormir, ils aiment bien, ça leur fait plus un bruit de fond, tu vois. Tail, ouais, on me dit, c'est peut-être... pas bête en vrai. 10 ans, à 10 ans c'est limite. Je sais pas. Il a lu Mar aussi, c'est un vieux manga. Ça va. Deux noms seulement je connais, j'ai jamais lu. Ça va. Il a bien aimé. Fly il a adoré. Fairy Tail, ouais, 10 ans c'est Il peut... l'a adoré, il a dit mais papa j'ai pleuré une fois. Il est très émotif. Ouais donc forcément. Enfin, mais plus dans les gens où un personnage meurt, etc. Et tout, tu vois, ça... Oui. C'est pas parce qu'il a eu peur. C'est loin là, il va où là? Ah non, je suis pas là, d'accord. Okay. Je vais juste. Là, je vais m'occuper des pièces. Et après, bah. Et bah, death donc. Et après, je peux. Espèce de désert. Essayer de voir si en guild il y a des gens qui sont chauds. Ouais. Il y a
y en a qui sont désolaces déjà. Enfin, c'est désolation. Oh, y en a qui ont déjà bien. J'allais dire, je suis le seul 70, oui. Non, Kazakh, c'est bien mon Kazakh. Merci. En même temps, si tu décidais quel perso tu montais, ce serait déjà peut-être plus simple. Oui, c'est sûr que si j'avais monté un seul perso, je serais déjà. Ah, tu serais 71, 71. Enfin, tu serais à peu près au même niveau que moi, quoi. Ouais. Je suis à 71,5, grosso modo. Ouais, c'est ça, je serais à 71. Et prends ton Drudeki, on a besoin de Drudeki là. Commence pas à faire ton maniéré. Ouais, en vrai. Après, c'est pas mal aussi les boosts du paladin. En oui. Vrai. Non, on en a déjà beaucoup dans la guilde, c'est ça le truc surtout. Ouais, mais quand tu regardes le road sauteur, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde? Il y a de la place pour combien de paladins? On a deux. Il y a 5 ou 6 DPS, ça dépendra si on part à 2 ou 3 heals. Ouais, d'accord. Donc en vrai, il y a de la place quoi pour un paladin? Il y a de la place pour grosso modo 2-4-3 distances. Paladin heal, non? Bon, après, ça dépendra de ce qu'il y a surtout. D'accord, on veut juste savoir en fait qu'est-ce que le paladin il apporte. Je crois que le skill c'est un énorme heal tank, c'est le plus gros heal tank du jeu et c'est juste monstrueux pour tenir les tanks le paladin. D'accord, voilà, moi tu vois, c'est ça sa force. Pas la heal, si, hein. Bah écoute, oui, tu peux être paladin. Si moi je suis heal et que Didou il passe dans le roadster 2, parce que là je crois qu'il est prévu dans le roadster 1, mais il me semble que j'ai vu ça, ouais. Il est équi aussi, hein. Oui. Les druides qui ou druides. Oui, après, de toute façon, les rosters seront à affiner une fois qu'on aura les gens niveau 80 et qu'on saura qui va jouer vraiment ou pas. après, ça dépend aussi des joueurs. Alors, moi, je vais pas vous mentir que les joueurs que vous avez choisis. Ouais, mais c'est des jours de raid, ça. C'est malheureusement où taille mercredi, jeudi, c'est les deux jours qui seront pris partout. En fait, moi, les jours où je suis le sûr d'être dispo, c'était le vendredi et le mardi. Ouais. Parce que bah, c'est les jours où je travaille pour, enfin, je travaille pour le stream, donc ça passe. Oui. Et je peux stream toute la journée. Après le lundi. Après lundi et mercredi et jeudi. Moi c'est quasiment pas possible de toute façon. Ouais. Ça les jeudis c'est très compliqué. Et après lundi, mardi ça peut le faire, mais. Lundi, mercredi ça peut le faire. Mais... Ouais mais après, ouais. Quelle que soit la guilde où t'es, mercredi, jeudi, c'est toujours les deux jours où t'auras des raids quoi qu'il arrive. Après c'est midi d'après-midi ou soir selon les gens, mais. Parce que c'est le reset en fait, nouvelle semaine de duo, donc forcément tout part de là. Ouais, je comprends. Mais voilà, de toute façon les rosters sont donnés à titre indicatif pour l'instant, ils sont sujets à modification selon qui jouera vraiment, qui sera selon le Real Deed. Puis selon qui sera vraiment 80, qui aura vraiment envie de jouer, qui. Enfin tu vois, toi ça. Puis c'est pareil, moi une fois que je suis 80, ça va spammer du donjon héros et je vais emmener les gens, les différents gens, et je vais les scruter. Ouais. Non bah une petite vérif du niveau chacun, voir un peu ce que ça donne. Pas normal quoi. On ouais. Sache avec qui on joue pour savoir ce qu'on peut faire. Ah d'abord un stuff. est-ce que je vais faire ça déjà? Je pense pas. Non, tu ne vas pas me corrompre. Non mais c'est non, cool, moi j'ai hâte. Non, je parlais du monstre, pardon. D'accord. Il était en train de me lancer corruption. Mais c'est vrai que ça collait un petit peu en même temps. Kiboko. Mais ouais, j'ai hâte que Nax ça sorte là, ça va être cool. Bon, ce raid va se faire éclater la tronche. Globalement. Hein. Oui, bah apparemment c'est pas compliqué. Ah déjà à l'époque c'était pas compliqué. Alors maintenant, connaissant toutes les strates. Ouais, tu vois les poudres des arcanes, j'en ai 18, 10, 12. J'en ai 140, 130. Là, je suis pas sûr que ça suffise, hein. Pourquoi je suis en combat? Non, mais bah c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal, oui, c'est un bon début. Ouais. Mais les débuts, ouais, je vais en avoir 25, j'espère que ça suffira. Terminé. Ladies and gentlemen. For the next song. Et on bouge la tête. À droite, à gauche, à droite, devant, derrière, à droite, à gauche, à droite. Pardon, j'ai le choix. Et on danse.
jaillit tout seul. Moi non, parce que là, pour chaque craft que je dois faire, ça me coûte une essence éternelle supérieure, c'est du PO à chaque fois. Ah, ouf, ça fait mal. J'en ai, mais ça me fait chier les utiliser pour ça. J'aurais préféré les vendre, faire de la thune, quoi. Je m'écoute un morceau semi-hard tech. Bouge la tête. Ont été déjà détruits, sinon c'est pas drôle. Ce genre de quête aussi où... Allez tuer tant de personnes, revenez. Allez détruire tant de choses, revenez. Allez faire tout maintenant. Alors du coup, je commence à regarder s'il y a des gens dispo en guide. Ouais, pourquoi pas. Le maître des enchanteurs, je suis obligé d'aller en autre terre pour avoir des trucs. D'accord. Oui. Si t'es au niveau de autre terre. Ah non, j'en ai encore là en 295. Ok, j'ai un truc à 290. Après, va sur. Tu peux aller voir sur un site comme tapinpo.com. Ouais, c'est vrai. T'as plein de guides pour monter au petit ton métier pour économiser le plus possible. Thank you for listening. See you next time. Non. Allez, messieurs les cristaux, vous voulez revenir? Burning Crusade, c'est après, ouais, c'est au classique jusqu'à 300. Une petite playlist multi free sur YouTube. Et il faut des poussières de rêve. No copyright, c'est bien ça. Voilà. Ah, je me fais attaquer. Oh mais j'en ai, il faut que j'aille à Dalaran. Bonne nouvelle. Tu vois, il y a Dalaran. Le trap, tu voulais dire? Non, pour acheter un plan. Ah. C'est chiant de la Dalaran. Bah ouais, ça c'est pas tout de suite. 74, 75, quand t'as la quête qui t'y emmène. Au moins que tu trouves un mage. De quoi? Non, ah mais l'ancienne Dalaran. Con. Je recommence. J'ai à Darnassus. Darnassus, ah, bon. Ok, voilà, j'allais dire, je comprenais. En fait, j'arrivais pas à comprendre. J'étais en train de réfléchir en même temps que je parlais. Un truc que j'ai raté. Ah putain, c'est un faut que j'ai à refaire le monde. C'est pas beaucoup mieux. Pour apprendre la formule du bâton runique en arcanique. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Je sais pas, les gens, on leur dit. Il y a Bobito. Tu peux me grouper déjà. Oui, pas en tank, plutôt. Le pauvre, tout à l'heure, il nous a déjà bien dépanné, on va pas lui réinfliger ça. Non, je sais, c'était pour rigoler. Bah, il est là. Moi, je pense... Tu veux healer ou tu restes en DPS, toi? Bah... Moi, c'est comme tu veux. Bon, si t'as envie de heal, si t'as envie de t'essayer au heal, t'as de quoi? T'as un stuff heal? J'ai un stuff heal, oui. Ouais, bah écoute... C'est quoi si tu veux essayer? Avec plaisir. Ouais, moi ça me va. Définir le rôle du coup, monsieur soigneur. Ouais. Un tank, un dips pour faire un donjon? Là, ça passe bien cette petite playlist là. On trouve une petite playlist Royalty sur YouTube. Ouais. Hop. T'as Epidemic Sound, je sais pas si tu connais, ça coûte 10€ par mois.
Est-ce que le mec essaierait pas de placer quelque chose là? Pas du tout, parce que moi j'ai dû l'acheter en fait. Ouais, non mais... Il va mourir, Bobito. Il va mourir. Non. Enfin, ah. Est-ce que ce sera... J'allais dire, il a plus de PV que toi avec tes 15 PV de tout à l'heure, mais et en fait, mort. Il est décédé. Oh. Nous avons assisté en direct à la mort du brave guerrier Bobito. Oh, merci Darnassus, Ménétril, c'est à... Bah, c'est à gauche, quoi. Tu vas à Chatrat? Comment? Non, pas pour l'instant. Oui, mais tu vas à Chatrat et tu prends le portail. Ça ira beaucoup plus vite. Non, parce que Chatrat, pour aller à Chatrat, c'est loin. C'est chiant. Mais Chatrat, tu prends la PDF? Bah oui, mais j'ai pas ma PDF à Chatrat. Hein. Ah bah le mec aussi, quoi. Bah j'ai fini ma PDF à Chatrat maintenant. Maintenant, ma PDF, elle est à... Elle est au fjord ou à la toundra, je sais plus, mais... En même temps, c'est un élite à 100k PV, hein. Pas d'excuses. Non, mais c'est ça, les gens, ils cherchent toujours des excuses. Assumez! Assumez! Sinon, Hurlevent, Terre Foudroyée, fly jusqu'à Chatrat. Ce sera plus rapide que le bateau. Enfin, ça dépend. Non, si tu vois le bateau partir lentement loin de toi... J'y suis là, je suis dans le bateau. Il... Ah, bon, ça va alors. Moi, je suis le spécialiste de j'arrive au bateau et je le vois tranquillement partir loin de moi. Oui. Et tu pleures, parce que t'attends 10 minutes avant qu'il revienne. Eh, hey, on envoie le clan DB. On met le clan DB, exactement. Le clan DB, donc on veut que des mecs avec un B dans le... C'est vachement sélectif quand même pour trouver un tank là. Ah bah on m'en fout. Tu marques... cherche tank, only B. Commençant par la lettre B. You're not a B, sorry. Ouais, c'est ça. Donjon, qu'est-ce que je fous, Nexus, là. On a dit du coup... Merde, j'ai un problème. J'ai un problème, chef. Je suis pas à Darnassus, là. Ah. Jimmy, c'est pour Chain, tranquillement. Hein. Je veux pas de tryharder, je pense que tu valides cette décision. Oui, je suis tank. Ah, je suis là. Les mecs qui arrivent en disant « Ouais, je veux que des mecs full stuff pour que ça aille vite. » Bah écoute, trouve-toi un autre groupe, mon ami. Je vais aller refaire l'une déjà, peut-être. Il a level up. GG, Ding-Dong. Ding-Dong, c'est level up. Écoute, j'ai un DPS qui vient faire là. Bah désolé, je peux pas tous vous prendre, les amis. Ah bah toujours. T'as pris quoi comme DPS? J'ai pris le premier qui attaque. Donc un chaman. Ah, attends, s'il faut désinscrire et mettre à jour. Hello. Désolé, j'ai pris un B, pas un D, pas un B. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tant pis, on a pas de B. Ouais. Non, ça va, c'est tout. C'est ok, ça. Non mais je croyais que j'avais fait un truc, tu vois. Non. Qu'est-ce que je suis venu faire là, moi? J'ai rien à faire là, moi. Bah écoute, je vais en profiter pour vendre, puis je vais partir d'ici. Je tourne en rond ou dans le fjord, après je m'étonne de pas être encore monté de niveau. Ouais. Bon, oh, c'est... Moi j'ai pas beaucoup XP au Malter de l'Est, bizarrement. J'ai pas compris. Par c'est contre, bizarre. Faut... Attends, parce que ouais. Bon, en vrai, ça va, j'aurai assez de place, mais. Si j'ai le temps d'aller à Darnassus vite fait. Vas-y, on n'a pas de tank de toute façon, donc. Bah, je t'arrive pour l'instant, donc comment te dire que je suis un peu loin. Ah, mais... oui, effectivement. Bah, oui, mais en fait, j'ai pris le bateau à gauche au palin. Bah, oui, mais c'est. Ça mène pas à Darnassus. Non, mais de toute façon, le bateau de Darnassus, je peux pas te tromper, c'est le seul qui ressemble à un bateau d'elfe. Bah, oui, mais en fait, il n'y a plus de bateau de Darnassus au palin. Ah, mais non, c'est à Hurlevent qu'il faut aller. Bah, oui. Bon, je me suis fait niquer. Comment te dire donc, qu'effectivement... Bah là, je suis sur le Griffon, j'arrive au... Je suis toujours à Cabestan. Pire, pour MTP, vous serez pas loin. Je pense. Non, ça, je vais les garder. Bon, ça a pu avoir de place à force de garder... Les 71, ils font directement à Jeul. En même temps, je sais même pas c'est quel niveau. Bah écoute, j'ai trouvé un tank. 13 000, ok. Let's gong. En DPS, il a plus de PV. Ok. En plus, il crie. Hein. Et c'est la lettre E. Vraiment. Ah, il y a une certaine cohérence, tu vois. B, C, D, E. B, D, E, ouais.
BDE, c'est quoi déjà? BDE, c'est Bureau des étudiants. Ah, Bureau des étudiants, c'est ça. Je suis la pierre pour TP. Parfait, il y a qui d'autre? Putain, voilà. Le War est à Tafrimara, donc je pense qu'il est pas loin. D'accord. Bah, j'aurai pas le temps d'aller... Non, ouais, ça va être compliqué, je pense. Non, je respecte. Je suis un peu full, mais c'est pas grave. Il repète, mais... c'est dégueulasse. Bah écoute, 20 KPO le mammouth. D'accord. Ouais, je sais. Ah oui, il y a une banque dans le mammouth? Non, mais non, c'est un vendeur. Ah non, mais là, c'est, j'ai pas à vendre ça. Non. T'en as un qui vend des compos et l'autre qui fait un repas. Mais c'est très pratique quand tu pexes. Ah oui, c'est vrai. Il me faudrait trouver un réparateur d'ailleurs en parlant de ça. Réparation. Je suis à... En vrai, je suis pas très loin, là. Je suis à... Je sais pas c'est quoi ce truc-là. Du retard. À côté d'un... Ashara. Ashara, pardon. Jamais fait ici aussi. C'est des trucs que j'ai pas fait depuis... Et ça me manque pas, hein. J'avoue que c'était génial à l'époque, mais... À l'époque, quoi. Et encore génial à l'époque, je me rappelle qu'il démontrait beaucoup moins génial. Le cratère d'Unguru, quand j'ai pété des plombs là-bas. Ah, j'en ai fait souvent ça. Enfin, je l'ai. Ouais. Ah, le cratère d'Unguru, là, juste là, là. Il est où déjà? Ici, là. En vrai, ça va. Vrai, avec ça les dinos. Ah, non, mais quand tu te tapais les élites qui tournaient, là, et que tu faisais pas gaffe pendant que t'étais à 3 PV, après avoir réussi à survivre aux 18 agros successives. Oui. Ah, je suis en Neval. En vrai, je suis pas très loin de Reflet de Lune, là. Non, ouais, t'es juste à côté. Avec un peu de chance. En fait, j'aimerais bien juste au moins aller à Reflet de Lune. Comme ça, après je pourrais, après comme j'ai mon truc à... Ouais, si j'arrive à aller au moins Reflet de Lune, ça irait. Ce serait déjà une bonne chose. Ouais, de toute façon il est où l'autre là? Qu'est-ce que quoi, qu'est-ce que... Ah merde, ils sont déjà tous les deux là-bas. Ah mais il fait des détours aussi ce truc à la con là, ce griffon. Bon après j'aurai assez de place pour faire des runs, hein, mais... J'ai un peu de place dans mon inventaire, j'ai... Oui, puis c'est pas comme si on lootait non plus 36 000 trucs dans les donjons comme ça, ça va. C'est pas faux. Bon, objectif ce soir, 72. Il me reste quoi, 30%? Ah non, 40%? Ah, ça va être chaud quand même. Moi, 71, déjà, ce sera bien. Ouais, non, toi, 72, ce soir, effectivement, ça... Ou tu dors pas. Tu peux. Ouais, c'est compliqué, hein, purée, c'est beaucoup trop loin, hein, personne l'hiver. J'ai pas beaucoup de PV quand même, ça fait peur. Hein. Ah non, mais je vais me mettre en stuff heal, ça sera mieux déjà. Oui, effectivement. Peut-être pas. Faut que je respecte aussi. Ah, effectivement, merci. T'as vraiment pas beaucoup de PV là. Ouais, mais j'en ai pas besoin. Après, au pire, si c'est trop chaud, je passerai en heal, hein. C'est pas grave. Non, mais en vrai, ça va. Enfin, en heal, j'ai pas besoin de PV. Hein. Enfin, peut pas... Non, mais de mana. Ah, mana, j'ai ce qu'il faut. Attends, déjà, je vais respecter. Parce que là, j'ai pas respecté. Oui, non, là, c'est pour ça, oui, parce que 4K, c'est que tu dois être en rate. Hop, activé. Ah, t'as 3 de mana. Ça arrive, ça monte. Ce 3 mana, ça va être compliqué, tu vois. Je suis à 8800. Ah, bon, ça va. Juste me laisser temps de régène, par contre. Hein. Oh, oui. Putain, j'ai de la foupa, attends. J'en ai un peu aussi besoin. Ah, je veux bien, je suis désolé. J'ai pas eu le temps. Bah vas-y, je te donne ça dans l'instance. Le mec il vient sans ses compos et tout. Après, bon, je pense pas que j'en ai besoin de 15 000. Hein, mais... Voilà, pour le donjon, ça devrait le faire. Ouais, là, les... Il joue quoi? Il joue en LM lui? Non, il joue en Amelio lui. Alors attends, je vais juste faire ça déjà. Oui, il a aussi peu de mana. Il veut pas attendre? Non, mais c'est ça, il joue en Amelio. Peu de stuff le monsieur. Ils ont commencé du stuff. Bénérois si possible, bien sûr. Bah laissez-moi juste me ré... Putain, je pas... Non, t'inquiète, ça a pas commencé. Ah d'accord, alors je fais ça. On fait Bénérois. Tu veux quoi toi? Roi, ça ira bien, ouais. Allez, roi pour tout le monde, hop. Pas de jaloux. Sauf moi, bah, bien sûr. C'est parti. Let's go. Endu, comment on te met endu en n'ayant pas de prêtre, monsieur? De quoi? Il nous dit buff endu, mais on n'a pas de prêtre. Je tombe comme ça aussi. Ah,
Allez, des petits crits là. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est nul ça. Let's go. Moi je crois que j'ai du parchemin d'un tel, voilà, un petit parchemin d'un tel, ça passe toujours bien. Pourquoi y'a personne dans cette... Ils arrivent, c'est en bas la patte. T'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Pourquoi il a des PV? Est-ce que je peux avoir des critiques le jeu s'il te plaît? Que je puisse économiser un peu de mana là, merci. Le rayon de feu c'était pas la meilleure des idées quoi. Allez prendre un par un quand même, ça va être long là. Je crois qu'il a pas confiance en moi. C'est une catastrophe comme j'ai pas d'anap quoi. Trois spells et choum. Tu veux peut-être une sagesse? Non, t'inquiète, j'ai de l'eau. Parce que t'as pas de PV et que la moindre attaque te fait une grande calotte. Quand même. Bah ça va vite hein. Ouais je sais. N'oublie pas ton guide de lumière sur le tank. C'est fait hein. De quoi? Ton guide de lumière. Attends, je l'ai pas dans mes barres. Je suis pas... J'avais pas guide de lumière quand j'ai fait du tank. Quand j'ai fait du... c'est où ce truc là déjà? J'ai entendu le chaton faire une connerie derrière. Tu l'as bien le guide de lumière? Non, c'est plus tard. Non, si, tu l'as dans... Ah, c'est plus tard, je pense. Hein. Ah ouais? Possible, je confonds ouais. Peut-être. Ouais, non, j'ai pas dit. Il attend quoi, le tank? Je sais pas. Hugo? Il est en panne d'essence? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, il attendait peut-être que je régène. Ça va, t'es pas où? Contre le chaman, si tu peux éviter d'aggro comme si c'était toi le tank, c'est bien aussi. Ouais, ça serait bien parce que bon. Je peux t'assister si t'as besoin. Ça va pour l'instant. Oh merde, j'ai plus mal à déjà. Est-ce que j'ai des potions de mana? Oh putain, il m'a les casté là. Un petit assist. C'était brouillard là. Moi ça me dérange pas hein. Il sera le décès hein. Ah bah à un moment... Écho, je te remonte. On va remettre ça. Je range mes sorts. C'est mes yeux que je range là. Mais je suis con aussi moi, attends. Faut que je me mette le saut de sagesse. Ah bah oui. Bon par contre le chaman il va me fatiguer assez rapidement. Bonjour Bobito. J'espère que tu t'en fous. Et il fait quoi l'autre là? Il joue? Mais il range ses sorts en fait. Pitié. Il range ses sorts? Dans sa barre. Ah, désolé Bobito, mais tu te retrouves à tanker. ouais, je vais pas te mentir que c'est moi lui là. Oui. Il a pas aggro, c'est le chaman qui a fait n'importe quoi. Là, j'ai plus l'aggro là. Non, c'est moi qui ai l'aggro. Oui, c'est toi qui as l'aggro, mais c'est lui qui a poule. Non, c'est moi.
Ah c'est toi? Ok, j'ai cru, je l'avais vu partir là-bas, je me disais... Mais t'as dit que tu voulais plus tanker monsieur, faudrait savoir, hein, moi, si tu veux tanker, y'a pas de problème, hein, vas-y. Je sais que t'as adoré cette expérience cet après-midi. Oui, vachement. C'est quand même marrant, c'était plus de PV que... Bah déjà le voir et le tank est 70, donc déjà t'as cette différence là. On peut prendre sur du donjon normal hein, c'est pas... Mais pourquoi je perds autant de mana que ça? J'en perdais pas autant tout à l'heure là. Y'a un autre truc que je voulais faire, c'était quoi? C'était mettre mon saut de sagesse pour récupérer du mana. Mon jugement de sagesse pardon. Eh bah écoute, ça va se vendre à la jouer ça. Je régène, hein, je vous en faites pas. Quoi? Je régène, hein. 8 jours, il va falloir que je change de. Il va que je change d'eau. La celle de Draenor, elle commence à être un peu limite pour, pour remonter. J'en ai vendu tellement. Est-ce que je suis obligé de faire. Non, je suis pas obligé de cibler, il le fait automatiquement en vrai. Monsieur le chaman, il faut attendre. Il saoule, hein, sérieux. Ouais, toi tu te heal, là, c'est pas question ça. Pourquoi je suis. Pourquoi je peux pas heal? Pourquoi tu peux pas heal? Parce que tu t'es fait silence, je remonte en attente. C'est bon, c'est bon. Merci. J'ai vu la brûleur magique partir sur toi, j'ai pas eu le temps de le cut. Ah, on n'a pas eu le temps de tuer, dommage. C'est là où on va avoir la map de tourni. Pas sûr, je suis pas sûr qu'il ait le temps. Je suis même pas sûr qu'il ait le temps de le faire. Non, il n'a pas eu le temps. Ouf, je prends. Là, je peux prendre. Ah tiens, je vais faire besoin, j'ai besoin d'intelligence. Ah, attendez, laissez-moi prendre ça d'abord. C'est bon, je l'ai ou pas? Ouais. Ah, ça va beaucoup plus vite pour Eugène, là. Bon, ça, vous devez attendre le niveau 71, nick. Non, mais attends un peu, bordel. Putain, faut savoir. Surtout que j'ai écrit, j'ai écrit chill tranquille, hein, les gars. C'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète pas, je vais attendre. Ah, fais gaffe qu'il y a un autre pack qui arrive. Non. Ouais, là par contre, s'ils sont sur ma gueule, c'est fini. Je vais pas vous mentir que. Et comment ils sont venus sur la. C'est la patte. La quoi? La patrouille. Elle était où? Bah, elle était en train de revenir et. D'accord. Je vais essayer de heal en LM, c'est pas gagné. Je fais 71, je fais me stuff de ouf là parce que j'ai 3 pièces 71 à prendre. Ça c'est bon ça. Mais tu peux, oui, tu peux me rester toi après. Ouais ouais ouais. Cham. Jamais joué Cham. I can do it. Ok. Toute classe qui heal peut raise. D'accord. Il y a juste lui que je ne savais plus. Point de soucis mon bon ami. Alors attends. C'est la petite shop que je prête tout à l'heure. Aussi. Et il va crever, hein, je m'en fous. Hein. Je vais pas te mentir que là, moi j'y vais pas. Il est déjà parti. À un moment, je vais bien, je vais être gentil, mais.
Les impatients, ça c'est un peu le problème aujourd'hui d'en haut. Les gens ne savent pas prendre le temps. C'est good. Focus la faille, hein, KO. Yaoul. Ok, c'est pareil. J'ai mes tout, j'ai tombé cette buff. Ouais, vous avez plus le buff. Mais... Non. J'ai pas besoin d'être aussi près en vrai. C'est peut-être pour les totems. 30 mètres de portée. Ok, ça va. Donc ça va. Mais par contre, c'est vraiment. Enfin, je juge pas par rapport à ce que tu m'as dit, hein, mais avec l'éclair lumineux, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mana. Hein. C'est la faille qu'il faut. J'ai un petit peu tapé en croyant que le chamélio était le tank. Mais en fait, c'est le flash heal qu'il faut que tu utilises. J'ai peut-être inversé les noms, hein. C'est possible que j'ai inversé les noms tout à l'heure. Tu utilises le flash heal et ton gros oui, heal. L'éclair lumineux, c'est ça. Ah bah ok, bah donc en fait, j'ai juste que j'ai inversé, pardon. D'accord, ça me rassure. Tu utilises ton flash heal parce qu'il coûte moins de mana au final et tu utilises ton gros heal quand t'as besoin de... En cas de gros problème. Ouais, voilà. Là, on est d'accord là-dessus, tout va bien. Okay. Ça, avec Orion, déjà, en principe, t'es plutôt pas mal. On profite de la régène du mob, évidemment. Entre les deux, normalement, tu régènes super vite. Là. Ouais. Tu profites des deux. C'est pas les mobs, s'il te plaît. Bah, arrête d'aggro aussi, alors, s'il te plaît. Je touche les mobs si je veux d'abord. Je suis un thug, moi. Les 3B se laisseront pas faire. C'est trop bien. Let's go. Et on tape, et on tape. S'il veut bien crit à un moment. Il veut pas le coup de nous. Hein. Comment ne pas faire de DPS quoi. La faille, la faille. Belle faille. Non, on est lundi. Ouais, j'aime bien faire le jeu de nul. Allez. Merci à tous. Je quitte le chat. Au revoir. Vous pouvez me retrouver au théâtre des Trois Guignols tous les lundis soirs. Hop là. Non, ça c'est de la J, c'est pas de l'intel, on s'en fiche. Qui c'est qui va tomber dans le trou? T'es bien à droite, hein? Qu'est-ce qu'il fait lui là? Il a envie de mourir hein. Non, mais par contre je vais lui dire enfin. Vous nous dites pas pousser les mobs mais ça empêche pas d'aggro lui quoi. Plus j'ai pas envie de crever. À droite qui m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait venir sur moi. Je te
le nombre de mecs que j'ai vu crever dans cette instance ici à l'époque, là dans le trou. C'était incroyable. C'était ouais. Tous trop à gauche. Et du coup, ils tombaient. Ciao! Bye and everything! Allez, les nanarbres. Avec les plantes immortelles. Je crois que c'est que en héros qu'elles reviennent. Tout le temps, j'ai un doute. Zéro crit, évidemment. C'est un soir sans critique. Des fois, quand ça veut pas. J'ai pas vu ma sagesse. Ça n'est pas ma sagesse. On ne voit rien. Profitons du Kamehameha de foudre que j'invoque. T'as perdu quoi là? Bah j'ai pas, je mets ma béné sagesse sur ma gueule et ça me l'avait pas. Oui, bonsoir monsieur Magic Noob, comment vas-tu? GG, ton niveau 74, 75, 74, c'est ça. Le monsieur il est loin devant. Béné. Ah, tu la formes mon cher. Bah non, elle repart. Elle s'en est allée. Je sais pas, j'ai pas le droit d'avoir béné sagesse. Enfin, interdiction ça? On reconnaît? Non mais ça c'est parce que t'as trop de talent, t'en as pas besoin. Le jeu te dit lui-même. Ah ça marche pas non plus, ok, y'a aucune béné possible ici. Je me demande pas. What? Je ne sais pas pourquoi. Ah faut que je les tue les nanarbres, attends. Faut les tuer les nanarbres s'il vous plaît. De toute façon ils sont globalement sur le chemin donc Voilà. Avec la patrouille. Pas trop. Non, j'avais réussi à m'enlever de la tête, bordel. Je déteste. Ah oh, mon dieu, ça y est, j'ai la tête. Pas de patrouille, pas de patrouille. Pas de Sergi, non, oh là là, j'ai envie de mourir. It is the décès. De quoi qui est tout bugué? Ton perso, carrément? Bah dis donc, on s'en sort plus là. Entre les bénédictions qui ne viennent plus et... La faille dimensionnelle consolidée, c'était où ça? Ah, c'était le deuxième boss. C'est Valo. Écoute, si on le refait après... Quoi? Pas de BL, c'est quoi le BL déjà? Je sais pas, moi j'ai pas vos trucs là. Et monsieur, calme-toi, c'est bon, c'est pas parce que je suis en stuff sésame que je sais pas jouer. J'étais sur le jeu, t'étais encore en couche culotte, calme-toi vraiment. Il suffit mon bon ami. C'est quoi BL? La BL c'est la Blue Blast, l'héroïsme. C'est le buff de 40% de hâte pendant 35 secondes. 35, 25, combien? 40. Je me perds tout seul dans les durées. Ça te donne un petit coup de 30% de vitesse d'attaque et d'incantation. Ah c'est pas la hâte encore, c'est vrai que c'est la vitesse d'attaque en mêlée à distance et la vitesse d'incantation. Il y a la... Ce qui n'est pas pareil que la hâte, parce que la vitesse d'attaque et d'incantation, tu tapes plus vite, mais quand t'as la hâte, tu tapes plus vite et tes GCD reviennent beaucoup plus vite aussi. C'est vachement plus mieux cool. Qu'est-ce qui se passe? Il a mis la BL. Lol. Mais t'es pas la BL, on regarde sur le dernier boss, hein. Paf. BL. We are the champion, my friend. Non, j'ai jamais besoin de mana quasiment. J'ai fait le troll. Ouais, non, c'est normal. Ici, t'as un buff. Regarde la petite noisette. C'est pour ça que je peux rien. J'ai failli troll le chaman en lui disant t'inquiète, je mets pas la BL. Mais je me suis dit non, c'est quand même mesquin là. Ce serait bon. De cristal, restez pas dessus, les amis. Dixit le paladin qui sautait partout tout à l'heure. Hein? C'est pas moi. Soi-disant pour tester Bobito. J'ai sauté sur le dernier boss. L'excuse de non mais je teste le heal, on la connaît tous. Ouais, t'es pas mal ça. J'ai failli y croire. C'est sûr que ça reste quand même, hein, c'est ça. C'est toujours ses épaules qui tombent ici, c'est nul. Je les ai déjà sur... Mais je peux pas les mettre de toute façon. 7,71. Exactement.
Bah, passe bien cette petite playlist, je sais pas ce que vous en pensez, monsieur Dan. Ça passe bien, hein. Tranquille. Et si vous êtes pas parti du bon côté? Quoi? C'est derrière le boss qu'il faut venir. Là, voilà. J'en ai. Ah oui, mais t'étais avec moi, c'est Bobito, pardon. Ouais. Les devoirs se sont perdus dans le dans les sentiers du Nexus. Alors, ici, on va faire ça. Il saute, le monsieur, ou il saute pas? J'ai oublié un truc. Oui, la rebuff béné, bah, je faisais pas. Je pouvais pas avant, donc je le fais maintenant, bien sûr. Let's go. Tu prends cher, mon gars. Il a pris deux packs là, un gros arbre avec deux petits, une petite patrouille. La patrouille vient en plus, ouais, la patrouille va venir en plus. Non. Je peux pas bouger, je peux pas l'esquiver. Ah bah ok. J'étais congelé sur place, mes pieds étaient pris dans la glace. Que je commence à DPS à un moment, ça peut être pas mal. Ouais, tu vois, ça que là j'ai remis les trucs, mais dès qu'il y a le truc de régène, vous perdez, vous bénez de toute façon, donc ça sert à rien. Je l'ai encore. Hein. Moi je l'ai plus. Bah écoute, moi j'ai toujours ma béné des rois, hein. C'est bon. Bah moi je l'ai plus, ma béné de sagesse. Mais vous allez où là-bas? C'est pas par là, messieurs, c'est derrière. Mais il est con ou quoi? Il fait quoi là? Mais t'énerve pas, monsieur Raziv, tout va bien. Ça va le faire. On est là pour XP, mon gars, calme-toi, ouais. Oui, on n'est pas en train de jouer nos vies, on n'est pas au MDI, là. Cause boss final, bah dodo, il fait d'un Ronel. Je te jure. Go dodo si tu te fais d'un Ronel. Bah attends, un moment. Ah, l'expression de boomer, pardon. Attends, j'ai oublié un truc. Tiens, bah va avec lui, retourne sur le deuxième boss pour la quête. Sérieux? A mon avis, ouais, il est en train de partir là-bas pour la quête. T'as oublié quoi, tiens, chien? On s'en fout. Et donc la faille, elle est au niveau du boss. C'était rigolo, Bobito, parce que t'étais coincé dans la dans la fleur. On avait l'impression qu'elle était en train de te router. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, vas-y, si tu veux les taper, je vais le healer. Hein. Ah bah, il peut mourir, de toute façon. Non, bah, je vais le heal. Quitte à faire autant qu'on avance, mais... Voilà, quoi. On y est. C'est où la faille? Derrière le boss. Ah bah, ça me le fait en même temps. Parfait, j'ai bien fait dessus. C'est au fond de la plateforme, ah, du boss. Ah, c'est bon, ça me l'a... Ah bah, vie, quoi, je t'y a dit en plein milieu du chat en plus. Bah oui. On peut pas prendre la peinture là? Moi je suis le tank. Non, tu es l'huile. De quoi? Oui, mais je suis le tank. Tu es le heal. Bref. Ça peut durer très longtemps, effectivement. Je follow le tank. Ah. Il est sur Instagram. Non, je vais arrêter. Faut que j'arrête. Pardon, j'arrête, promis. Matador. Gardien azur, t'oublieras pas de sauter sur le boss, bah. Ouais, arrêtez de sauter sur le boss, les gars, s'il vous plaît, parce que bon, c'est moi qui le sais ici, donc. C'est tout. Pas jouer au fond, les gars. Pas de troll, s'il vous plaît. Hein. Ouais. Alors, je régène, moi. Je laisse mourir, hein, j'attends. Non, mais le boss, j'ai envie de finir le donjon là. Régène. Yes. De toute façon, il est plus là sur le prochain boss. Le prochain donjon. Ouais, tant mieux. Bon, on va mettre la BL. Alors, vous sautez, les amis, d'accord? Sauter ou se déplacer, ça marche. Hein.
cas que tu sautes, c'est fou, mais en hein, caster il faut se déplacer, c'est plus intéressant. Hop, on bouge, on perd le buff, on évite de prendre des dégâts inutiles. 3 stacks, on va se déplacer. Qu'est-ce qui se passe là hein? Me monte, me remonte. On a pris le souffle, il nous a tourné dessus le tank. Prêt ou pas lui, non? Il bouge pas, il s'en fout en fait. Oh, va crever, tiens. Tu me gardes. C'est bon, il a qu'à bouger un peu. Hein. Ils veulent pas bouger en vrai. Hein. Moi je peux pas aider tout le monde. Hein. Quand il peut nous, pas nous le mettre en face. Ce serait sympathique. Et bah j'ai rien pu faire, hein. Désolé les gars. Non non mais il nous l'a laissé, il nous a laissé le souffle. J'aurais pu me décaler aussi hein, mais j'avais juste envie d'être chiant. Je teste le heal de voilà. Où est-ce que je suis mort? La boîte d'or. On a fini à deux là. Alors, je heal Koumi, moi. Toi, c'est quoi ce soir? Non. Merde, attends, il est où le heal? Là. Non, c'est pas celui-là. Ça arrive, hein. Désolé, je régène. Il pourrait libérer aussi. On est juste à côté, ça marche bien. Merde, attendez. Pas assez de mana. Bah oui. Il est pas content, il est pas content. C'est en train de se prendre la tête là. Attention, ça part en, en free fight. Ah, c'est l'octogone. Reste-le, pourquoi ça marche pas? Mais je fais reste, ça marche pas. Mais il m'a aggro, d'où il m'a aggro? Sérieusement, bon bah je meurs. Tu prends un reste? J'ai déjà heal, d'accord, putain. Tu pourras me reste après? D'accord. Ouais, attends, attends, je vais heal. Non, mais parce qu'en fait j'ai aggro, du coup j'évite de vous l'amener. Non, laisse-moi mourir. Il va me gaver, hein. Il va me gaver vraiment. Hein. Tu t'envoies chier maintenant ou... il se barre, on ignore-le. Il faisait qu'un donjon. C'est pas mort moi, tu me racontes là. C'est quoi qu'on a looté? Une dague, critique, puissance, non, je vais attaque, régène, c'est nul. Parce que j'ai pas de mana. Vas-y, je vais libérer. Hop, de toute façon c'est fini, on a fini. Fin de l'histoire les amis, calmons-nous, tout va bien. Et ça y est, c'est fini là de toute façon. Ouais, on a fini, on a fini. Bah dégage. We are good, my friend. Allez, vas-y, quitte-le, 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 vas-y, quitte-le. je te heal, je te reste peut-être. Non, non, j'arrive, je suis presque là. Et bonsoir Skydream, comment vas-tu? Bienvenue à toi. J'espère que tu as la forme, que tu as passé une bonne journée. Ah bah, il m'arrête, c'est gentil. Thérèse, le monsieur. Ti. Il a kické, c'est bon? Il s'est barré tout seul. Monsieur Manced, il voulait faire des donjons. Paf, regarde. Bonjour, monsieur. Il est quoi? Il est heal ou... Non, c'est un dips. C'est un voleur. Je t'entends. Bah oui, c'est un voleur. Et si tu veux DPS, je heal, moi. Tu heal? Je sens que t'as plus trop envie de heal, là. Bonjour. Salut, salut. Bonjour, comment ça va, Pierre? Comment vas-tu? Vas-y, passe. Bah écoute, why not? Passe en raid, t'inquiète, je heal. Hop. No suicide for me. Coup, alors. Quoi, comme... Ah, il a quitté le groupe, le. Ouais, bon, c'est pas très grave, il était pas foufou, ça. Ouais. Ça va bien et toi? Bon, ça va oui, très bien, merci beaucoup. Oui. Ça pexe tranquillement sur, sur LK. On est à. Nexus. Le Nexus. Ah, tiens, je vais rendre les quêtes vite fait. On peut te TP sur place. Ouais, parce que c'est Farah chez moi. Oui, oui, j'ai eu le même problème, t'inquiète. Je vais juste rendre la quête. C'était l'autre boom, ouais, baron. On était au fjord, comme on sait actuellement, c'était ce qui fait un peu loin. J'étais au Malter de l'Est. Oui, mais toi, ça compte pas. Cherchez pas, les gars. On va te dire sur la recherche de groupe. Last tank pour chain le Nexus tranquillement. Groupe de guild. Ça vend pas forcément du rêve, mais. C'est du je fais que passer parce que c'est live ce soir, mais bonne soirée je... de jeu à tous. Merci beaucoup, merci pour ton petit coucou, Zodax. Encore 9. Qu'est-ce que je prends comme item?
quelqu'un peut m'aider à TP mon salt, s'il vous plaît. Oui. Alors attends deux secondes. Je fais. Juste que je regarde ce que je prends pour. J'ai gagné plein de stuff. Il faut que je prenne des choses que je n'ai pas déjà. En fait. Alors ça c'est bon. Enfin je me débarrasse d'un stuff. C'est ça mon plus. Je demande dans la guild des fois qu'il y a un tank disponible. Ah bah il y a Bobito, Bobito il peut tanker. C'est ça. Vous avez des guides de... Je viens de les rendre. Pas du tout, et tu les prends où ces quêtes là d'ailleurs? Non mais je crois qu'il faut débloquer un peu les... l'histoire. Ouais c'est une suite de quêtes. Ouais ouais ce que je me dis, c'est comme garde. Je vais prendre les potes points du ceux-là. Et ça va mettre en sacré. Voilà. Vous faites du chain nexus, c'est rentable niveau XP? C'est plus rentable que les guettes, ouais. Je vais level up là, c'est cool. Alors attends, j'arrive hein, je suis un peu long, je suis désolé. Il faut juste que je rechange mon stuff. Grosso modo, avec le Nexus, en 20 minutes, tu te fais 8% d'XP. Putain, c'est ouais. Bah, c'est plus, ça va plus vite que tu te fais 150k. Tu te fais l'équivalent de 7 quêtes en 20 minutes. Oh, ouais. Je vais péter un câble. Hein. J'ai perdu tous mes trucs d'équipement. Ah. Si quelqu'un peut venir avec moi TP le pal vite fait. Je suis à côté, je finis de dépecer, j'arrive. Vas-y. Dépece donc. Y'a des fois de monter des DLC, bah monter des peceurs. C'est bah au moins t'auras les compos déjà. Ouais, bah non, de toute façon DLC, je vais l'oublier. Ah, bon. Ce perso il va être un gégeois. Effectivement. Il a poussé le à son extrême. Rien à voir, je sais. Et puis du coup, bah le TLC, j'avais déjà un niveau max. Enfin non, oui, le dépeçage j'avais niveau max, le TDC il me manquait genre 20 points. Bah du coup, bah TDC je suis en retard. Mais bon, dépeçage, bah vas-y. Si je peux échanger des cailloux contre des pots, on va faire ça. C'est toujours ça de prix effectivement. Oui, ça se vendra à l'HDV, puis ça me permettra de acheter les compos pour monter le team. Je suis presque bon. Alors si, moi c'est ça que je voulais regarder sur mon VUI. Groupe d'unité. On a trouvé un heal ou... Ah, on a trouvé un, oui, bah oui, on a trouvé un tank déjà. Ça va être dans quoi ça? Du coup, c'est qui fait quoi là-dedans? Moi je DPS maintenant. Moi je heal. Et on a un tank PU. Ouais. Ça va être dans quoi déjà? Le taper. Ah, ça va être dans quoi? Je veux afficher mon remous sur la cible, mais ça va. Ah si, il y a une quête prenable directement au camp. C'est pas grave. Oh bah si tu peux la partager, je prends alors. Hein. Ouais, tu vas aller la chercher. C'est avec grand plaisir que je prends cette quête là. Et puis bon, on vous attend dedans. Normalement il y en a d'autres, mais bon, il y en a qu'une et c'est 40k pex. Oui, bah c'est toujours 40k gratuit. Hein. Bah, je vais level up dans ce donjon. Nice. GG. Je suis où? Ah non, ça va être compliqué. Oh, il y a un fly. Oh merci. Je vais mettre la vindicte moi. Ah tu vois, j'ai même fait 10% d'XP pratiquement dans le donjon là, Manson, pour te dire. Ah moi j'étais en XP x2 donc j'en ai fait pas mal aussi un peu. Ah moi je viens de péter mon XP x2 pour finir avec. Après bon, semaine prochaine je suis de repos, faut au moins que je digne 80 pour la semaine prochaine. Ouais, de toute façon c'est ça, ça a rien de se prendre la tête, on sera 80 semaine prochaine, ce sera déjà oui, très bien, après, largement le temps hein. Après c'est surtout pour faire... Ah oui, ah, j'ai crash. Oui, 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 enfin, c'est sûr que si dès mercredi prochain tu peux faire un héroïque, mais d'ici mercredi prochain c'est job quoi. Il y a beaucoup de crash quand même, hein. Ça part en vie. Pourquoi la playlist s'est arrêtée là? Je vais reprendre des popos de mana, mais ça sert à rien. Merci. Je me dis le Discord de Guild, il nous dit bah, bien sûr, bienvenue à Eliodar qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à Eliodar. Ça, c'est bon. Tout dans le donjon? Ouais. L'Oculus, quel level? 72. Ouais, c'est nous, c'est un haut niveau ça. Ok, on est tout dedans. Ah, parce que l'Oculus, c'est justement le best pour se faire des golds en dépeçage. Ouais. Mais t'as plein de petits dragons à ramasser. Il nous a mis une béné ou pas, non? Je veux bien que tu partages. Il a mis la béné sup, ouais, le roi, pardon. Ouais. Je mets mon point. Il a quoi? Il a mis la béné sup roi.
Ah d'accord, donc je vais pas, d'accord. Du coup, je veux bien sagesse. Alors, donc, sagesse pour monsieur. Moi, je veux dégâts. Bobito, il veut dégâts. Il n'a pas besoin. 27, il veut dégâts. Ouais, mais en même temps, Bobito n'a pas besoin, il va mettre des cris de guerre, donc ça sert à rien de mettre la puissance. Ouais. On est d'accord. Moi, je prends la sagesse, ça me régène plus d'énergie. Tu veux sagesse ? Non, c'est bon, c'est bon. C'était un troll, hein. C'était un troll. Je m'en fous, moi, on me dit quelque chose, je le fais. Hein. Allez, let's go. Si vous avez. LMA, c'est fait. Je vais ça. Okay. Vous avez un Discord ? Non. Enfin, pas de build, peut-être pas. Mais... Enfin, je sais pas. Comment... Bah, pff, compliqué. Si on commence tous à inviter des PU. Ouais, non, non. Ah, attendez. Oui, on ressort. Pourquoi ? Ah, bah oui. C'est bien que je initialiser le. Oh là 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 là. Oui, bon, bah écoutez, il se peut que. Ça se dirait de lead, quoi, franchement. Ouais, enfin, je reset rarement les raids, hein, tu sais. Comment ça? On va se ramener en raid, y'aura aucun boss. Bon, c'est bah, ça. C'est bon. Allez, merci à tous d'être venus, c'était fort sympathique. On se revoit la semaine prochaine. C'est bon. Merci, monsieur. Je crois que t'es rentré trop tôt, Bobito. Ouais, je suis rentré. Et je crois que le tank aussi, il est rentré trop tôt. Ah merde, mais je retourne dans le... Ah non, c'est bon. C'est bon. Allez. We are good, my good dear. Bobito, tu tankes pas. On vient au début, c'est ça pour le dragon, j'ai même pas vu. Ouais. Mais t'as pas. Ah, déjà ils ont repoussé avec. Ok, désolé, tu m'as pas vu. Ah oui, c'est bon, je suis en DPS maintenant, c'est bon. Ah, ouais. J'ai pu réfléchir, c'est bien. C'est parti pour s'ennuyer. Moi, je vous le dis, on va s'ennuyer. Je faisais du 1k1 tout à l'heure. Je pense que je peux l'améliorer un peu. Éclair, oui. Pas spam éclair, ça me bouffe tout mon mana quoi. La tristitude. Donne des coups de marteau. Hein. C'est ça en fait, je vais pas me mettre en vif terre, je vais me mettre en langue de feu et je vais mettre des coups de masse. Ah, ah. J'ai pas regardé comme ça. L'imitation du Draenei. Un dragon. Non, on se bat les coups. Ouais, bon. On est pour la paix, trop cool. Non, mais d'accord. Non, mais on le fera après. Pas le temps de niaiser. Ah mais ils ont tous ce truc avec les mobs d'ici, c'est chiant. Ah mais merde, j'ai oublié de mettre là, quelle boulet. Je mets des gros coups de masse pendant que le rogue essaye de tanker. Ah c'est mieux. Ah j'ai open la clean tree. Effectivement. Je veux dire, j'ai open avec un 30k dégâts. Vas-y, ça se tient, tu peux le faire. Ah c'est ça, ok. C'est ennuyeux sur Elvui, j'ai pas tous les heals qui s'affichent. Faut que je retrouve ça. Comment la VPN. Non mais si je joue à Votelka c'est que pour la VPN, bah écoute. Non c'est pas ça que je voulais faire, c'était pas ce raccourci, c'était ça, c'est ça. Moi je me rappelle j'avais mon Ward DPS à l'époque avec le trinket pénétration d'armure de Sorcro. Ah, j'étais premier DPS en auto-attaque. Faut que je me calme ou... Non, ça passe, t'inquiète. Non, tu es le tien. Bon, c'est juste qu'on s'est fermé avec Nog dans les... Il y en a qui ont repris l'aggro entre-temps. On chie, c'est Bob. C'est relou, hein. Les coups de masse, tiens. Prends ton coup de masse. J'ai encore crash. Mais. Ah, j'avais dit, 1k2, c'est mieux. Ça c'est nul. J'avais dit 10%, c'est ça. Et j'arrive même pas à me reconnecter au royaume, super. Mais il y a pas mal de trades de bugs, moi dans la journée j'ai eu aussi pas mal de petites décos à la con comme ça où tout va bien et d'un coup tout va plus bien. Super, maintenant que tu rentres en connexion, il va y aller. Nice, c'est fort que tu relances. Ouais. Bah, celui-là, qui j'ai pas mis mes bons. C'est moi qui ai trop bourrin là. C'est peut-être les deux. Ah, faut que je refasse tous mes raccourcis, j'ai fait n'importe nawak. Quand ils voulaient tester mon DPS à fond, bah, bon, bah je vais y aller tranquille alors. DPS vais... à fond, mais pas trop. Bah je vais y aller tranquille alors. Tu défous DPS à fond, mais lentement s'il te plaît. Ah, bah je vais faire ça, je vais faire juste les 3 sorts classiques. Hein, beaucoup de totems de mana, les gars, c'est parti. Tu fais comme en rogue, hein, tu draws auto-attaque. Non, non, mais on est surveillé, tu sais, faut que je fasse gaffe maintenant.
Ah, du coup, le boss est mort, hein, merde. N'oublie pas de ramasser le bouquin. À défaut d'avoir. Ah non, si, si, du coup, le boss, il est. Non, oh, y'a pas eu de boss là pour l'instant. Non, non, c'est un mini boss là. Ah, c'est quand Héroïque qui est le. Oui. Je sais pas, j'ai jamais fait d'Héroïque moi. Mais si, en Héroïque, c'est un boss effectivement. Là, c'est un mini boss. Random et point dérangeant. Pas ramasser vos étoffes, je sais pas. Non plus, quand je les ramasse, j'en ramasse 7 d'un coup. Moi, n'hésitez pas à me les laisser, vos étoffes. Non, je plaisante bien sûr. Gardez-les si vous voulez. Là, des radars, ça va partir à l'HV. C'est normal. Hein, allez, on fait tous là. Laissez-moi mettre des coups de masse. Et ouais, bonsoir, Energix, comment va le Mirodo? C'est une soirée pour toi, ça. Petit oh, World Warcraft. Je veux rien dire, mais on n'a pas le cri de guerre. Hein. Ouais, ça, ça, ça. Effectivement, on dit rien, ouais, c'est ça. Je plaisante. J'ai un truc, si tu veux, un aura qui le fait clignoter juste en bas à gauche. Si ça t'intéresse, je te le file. Je bave devant le stream. Qui... Bah let's go monsieur, rejoins-nous, c'est Robert Dean, côté en Alliance. Il y en avait un qui c'était ton cri connard, il disait ça. Ça marche bien. Je vais le virer quand même. Mais il donne quand même pratiquement 50 de régène mana par seconde. Est-ce que c'est, alors je vais sûrement me dire que non, hein, mais est-ce que c'est une bonne idée de... J'ai fait un macro sur mon... sur ma frappée du croisé, vu que c'est ce que je fais en priorité, et en fait à chaque fois que j'appuie sur la macro il essaie de mettre le trinket en plus. Ouais, non, parce que, enfin, dans l'idée oui, mais un trinket avec un use, en fait tu choisis quand tu le mets. Alors là c'est vraiment le trinket qui augmente les points de... Parce qu'en fait le trinket va permettre d'augmenter tes stats ou ta puissance d'attaque ou X. Oui, c'est la puissance d'attaque bien sûr. Ouais, mais en fait tu vaut mieux choisir quand le mettre parce que ton trinket use sera plus... Voilà, quand tu balances tout, tu balances ton beurre sur un boss, c'est plus intéressant de l'avoir à ce moment-là. À la limite, tu peux faire une macro pour activer ton burst perso plus le trinket. Je ferai le trinket les mois prochains. Mais ouais, mettre le trinket comme ça l'arrache. On va dire qu'en donjon ça va, mais en raid on évite quoi. C'est lequel surtout? Augmente le critique, oui, mieux vaut le mettre en... Enfin, tous les trinkets, de toute façon... Les trinkets à use, tu les mets en... au pool numbers, quoi. Je suis en ignorant, ouais, tu, là. Ouais, tu les mets en tant que ton cours vengeur, et puis voilà. C'est ça. Et du coup, là, tu vas faire des gros dips. Surtout que ton cours augmente tes chances de critique, si tu peux te faire rien. Non, pas moi, pas moi. Et silence. Vivement la pluie de guérison. Ah, allez, c'est parti. La phasance. Pourquoi je peux tirer dessus quand même, connard? C'était tellement gratuit. Pardon. C'était complètement gratuit, quoi. C'est... En plus, c'est même pas connard, c'est connasse. En plus. Je m'excuse d'avance. Tu l'as mégenré, quoi, bravo. Bien sûr, regardez. Ah, je suis moutonné, je peux pas wheel. Ah, je suis mort. Je suis figé. Ah, je me suis pris le bon gros mouton dans la cheboue. Bah, tous les sorts ils font mal sur cette phase là, mais bon, quand t'es un crapaud ou un lapin, j'ai pas bien vu, c'est plus compliqué. À défaut de pouvoir la taper, je lui fais rupture. Tu veux me réduire en DPS, je comprends, t'inquiète. Mince, il a découvert mon plan machiavélique. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je l'ai déjà ça. Ah bah je vais le prendre. Hein. Allez, on va être pareil. Merci. Ça fait tellement chelou de mettre du cuir quand t'es en... Bah en fait tu mets tout. Bah ouais, mais sur retail tu peux plus. Ah bon? Tu peux. Enfin tu peux, mais ça a aucun intérêt parce que tu perds un énorme boost sur ta stat principale si t'es pas dans ton armure. Ah d'accord, je sais pas. T'as 5% Intel Force ou AJ si t'es pas dans ta full armure. Donc d'accord. Du coup, bah tu t'évites quoi, ce 5%, une pièce qu'on pense pas. Bon, et puis maintenant, le stuff est design aussi pour répondre
Maintenant, maintenant il y a toutes les stats sur le stage. Bah non, je me suis pas montré. Il prend des calottes lui là. Quand tu vois que maintenant tous les cuirs sont retail, ils sont AJ et Intel, et en fonction de quel stat tu as, c'est ça. Non, mais moi j'aime bien le système de retail. Hein. Bah ouais, mais du coup, fin, au final, hormis le off-stat, tout le monde a le même système, ça qui est chiant. Quoi. Oui et non, ça a pas mal changé avec le avec les Mythic Plus, que t'as beaucoup de pièces que tu peux prendre, et selon... Ouais, mais voilà, après c'est le off-stat. Moi je préfère, tu vois, je trouve ça plus cohérent. Mais après, c'est un choix personnel, bien entendu. Faut que je passe un changement dans mes sorts, moi. Bon, ça fait déjà 3 crashs en allez, 15 minutes. Ouais. Petit quatrième, hein, histoire de bien finir le donjon tranquillement. Mais j'avoue que t'as pas de bol, là. Tu dois avoir un addon de corrompu, ça, ça sent. Non, bah y'a rien, en plus, j'ai rien qui... Merci, bah. Merci. Putain, je me sentais seul, d'un coup. Ah bah excuse-moi, j'étais en train de vapoter en même temps, j'avais pas envie de m'étouffer pour congratuler ta blague. J'ai des priorités. Je préfère vivre que rire. Faisais des cuts. Mais j'ai un CD sur mes cuts, monsieur. C'est rouge, ça. Je sais pas, mais je reste dedans. Globalement, c'est vite, quoi. Non, c'est pas par rapport à ça que je disais rouge, mais... Mon sort était rouge, je sais pas pourquoi. En reporté. Ah, c'était ça. Ouais, quand t'as un sort donc rouge dans ta barre, c'est de leur porter. Au cas où, il faut focus la faille. Hein. Instrument horrible à l'écoute, s'il en est. Et est-ce que je vais recrache ? Bon, je me fais troller avec mes... Il a pas envie de le rejoindre, lui. Hein. Y a-t-il du Kali dans la guilde ? Oui, il devait bien avoir ça. J'ai raté mon cut, quoi, sérieusement. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à monter ? Voir 300. Enfin, le palier juste au-dessus de BC ? Sans doute. Parce que j'ai un glyph totalement bis OP en combat et il est 384. Juste, enfin, early, C'est vrai qu'il y a des glyphs aussi, moi, si je regarde bien mes glyphs. Bah, j'en ai aucun. J'ai pas de glyph. Moi j'en ai un qui aurait dû céder mon burst de 45 secondes. Clairement. Effectivement, c'est, oui, c'est le genre de choses que tu vas venir récupérer allègrement. 2 minutes, 10 minutes, voilà, quoi, le choix est vite fait. C'est clair. Hop, la mana. Oui. Je préfère celui d'après, t'en as deux, ça va beaucoup plus vite. Petite ambiance électro, passe bien, j'adore ça moi. On aime l'électro. Il va falloir que je monte le son de Monsieur Bobito, je l'entends pas. Je parle pas fort. Ouais, mais même, je t'entends pas. Et parce qu'il crie pas cette guerre. Voilà, de toute façon, moi je pars du principe que quand tu joues heal, tant que le mec ne crie pas, c'est que ça. C'est que ça passe, c'est bon, y'a pas de soucis. En plus, j'ai été médisant. De toute façon, quand je joue avec Julès, donc le frangin, quand il entend que c'est vraiment. On est en donjon, c'est, si jamais il y a un problème, tu cries. Quand je n'entends pas crier, je ah ouais, si je monte pas, ça passe. On va mourir là tous. Mais non. Y'a personne qui était sur la faille, hein. Mais non, t'inquiète, vous avez le meilleur heal du jeu qui est avec vous. Ça va. Ah bah c'est bon alors, ok, bon, je m'occupe de... Je suis en bourre, d'accord. Mais vas-y, en bourre, hein. Je garde ma King Spring. Ouais, y'a plus de mobs. Oui, y'a plus de mobs, c'est pas très rentable. Ouais, je vais garder pour le boss, hein. J'ai même pas mis la BL sur le premier boss. Vous y croyez, ça? Bah, en vrai, c'est... Bah comme ça tu l'as sur le premier et le dernier, hein. Ouais, c'est vrai qu'en plus le premier... Ouais, mais après le problème c'est avec les knocks... Wow. C'est toujours mieux que de pas l'avoir. À la limite je dirais plus de la balancer sur celui-là, plus... Je sais pas... Ah si, ça passe tête pour le dernier. Allez vas-y, t'es quoi. Je vais dips, soyons fous. Ça, et on met ça, allez hop. Et on met ça, voilà. 0,58 entre chaque auto-attaque, voilà. Deux attaques par seconde. Bon, allez. Easy. Y'a une faille. Y'a plus de faille. Oh là là. Oh bon, eux ils marchent pas, bordel. Ah parce que... Ah mais oui, j'ai lancé les cases, je suis con. Tu cliques pas dessus. Tu viens de mettre une salle de guérison que sur moi. Je
j'inverse le casque. Ah, tiens. Oh, il... oh putain, mais vas-y, mettez-vous. Non, celui-là, j'en veux pas, il est nul. J'ai fait que 3K dégâts avec Mike Slimer Clips. Ah, sur une seule cible, c'est pas. Ouais, mais après en soi, c'est quand même 5 auto-attaques instant augmentées de 20%. Donc. Ah oui, non, mais pour Burst, c'est bien, mais je veux dire, ça fait pas un DPS. Ça Burst gentiment, quoi. Une chaîne d'éclairs. Ah, ouf, j'ai cru que bah, t'allais tomber. Non, avec la caméra, je voyais Bazon tomber, j'ai dit, ah bah voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, justement, illustré en image à l'instant. Ah non, je fais attention. Ouais, j'aime la monnaie. Ah bah attends. Je ziote, je vous observe, les gens, attention, je ne dis rien comme ça, mais... Je note tout, la moindre erreur que vous faites est retranscrite immédiatement. Je sais. C'est éliminatoire sur le raid, c'est ça? Exactement. Vous avez pas cut, voilà, donc là, hop, déjà 3 de moins pour le raid. GG. J'ai level up. Félicitations, monsieur. Alors attendez, maintenant faut que je mette tout mon stuff parce que là j'ai plein de stuff à mettre. Il va tripler ses PV. Vindict. Ah non, j'en ai qu'un en fait. Ah oh, j'en ai qu'un, j'ai que des épaulières en Vindict. J'aime bien le plein. Bah ouais, mais je me suis. Bon, je verrai après le donjon, Pierre. Mais c'est quoi, ah, c'est quoi que t'as eu juste avant là? Ah bah si, c'était les épaules sur le boss, effectivement. Ah non, mais c'est pas sur. C'est, je les ai depuis ce qu'on lui dit ça. Hein. Ok. Ah, j'étais gelé. C'est fort dommage. J'ai bursté l'arbre avec son bouclier de givre, bah le bouclier il a dit non. Il t'a dit non. Non. Il m'a vu Killing Spree, c'est non. Tu m'as dit non. I don't want it. Pourquoi il va par là? Voilà, bah, ça va à gros. Il y a double pack dessus. Moi je sais pas, okay. Moi je... J'ai réussi à distraire un des deux packs. Nice, bien joué. Allez, c'est parti. C'est bien, bah, comme il a pas de PV avec le moindre heal, j'ai l'impression d'être surpuissant. Exactement. À toi. Il pense au groupe, bah franchement, bravo à lui. Bel esprit corporate. Tu vois. Tu notes. Non, bravo. Je fais exprès d'être sous stuff pour que les heals se sentent forts. Exactement. avec le drone, quand t'as un mage ou un démo, tu mets une hotte, la hotte c'est plus 25%. Ah, y a pas de S à Wixor. Oui, ouais, il fait moi ça. Je dis Wixor, hein, c'est pareil. Voilà. L'important c'est qu'on se comprenne. Warlord qui me dit ça alors qu'il y a 5, il y a 10 minutes, il demandait dans le chat s'il pouvait tank avec son démoniste. Calme, hein. J'ai vu ta phrase, hein. Je l'ai vu ta phrase. Tu sais quoi, en démono avec la forme, je suis sûr, il y a moyen. Hein. Bah, en vrai, techniquement, de base, Blizzard avait fait en sorte que l'aspect des monos soit plus. C'est une spé off tank, ouais. La forme de tank, justement, ce soit la forme de tank. C'est un bon truc aussi. Si vous voulez me donner l'accord. Je crois que notre tank il est perdu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je suis pas sûr qu'il soit au courant de là où il faille aller là. Je vais faire des pings sur la carte. Donnez-lui un GPS. Là où là? Par contre, j'ai level up, hein. J'ai un peu plus d'XP, il a un peu plus d'HP maintenant. Ah, c'est pour ça que je me sentais moins fort que par rapport au début du donjon. Ah, mais c'est la bénédiction du sanctuaire, je croyais que j'étais. Oh là là, quel teubé. Ah, juste tout lent. Je pensais être sous bouclier de foudre alors que c'est la bénédiction du sanctuaire, c'est malin ça. Oui, il meurt pas la plante. C'est quoi déjà le sanctuaire? Je pars pas moi avec le chemin. Je vais me coucher, c'est bon, ça peut le faire. Ça commence à devenir compliqué. Ah ouais, j'aime tes tanks. Il y a des boss qui sont tapés par des démons ou du RS, mais oui. Attendez, on est espionné, comment il sait qu'on a parlé de ça, l'Arkaz? Il nous espionne. C'est lui Warlord que je te disais. Ah! Il disait qu'il n'y a pas de S à Wikora. Je savais pas que c'était lui, comment tu veux que je fasse le lien? Bah, je sais pas. L'orchestre Warlord, à un moment. Oh, mais c'est connu ça, ça fait longtemps. Bah, faut croire que non. C'est quoi? L'arbus derrière, on aurait pu le taper, hein, ça fait d'XP. Hein. Ah, bon. Oui. J'avoue que niveau ratio XP, il est pas. Ouais, ah, bon, ça reste. Y'a la. Aïe. Non, mais ça va, le boss est. Attention, je te préviens. Focus les Dreadry. Les Dreadry font la tranquille.
Moi je focus personne, moi je tape dans le tas, moi. Avec le saut d'autorité. Moi j'avoue, moi. Oui c'est ça, c'est pareil quasiment. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça crache. Hop, chais. Non mais elle m'a mis une résistance quoi. Puis, j'étais tout content de faire mon cut et je me suis pris un gros résistance. Bon bah du coup, une autre personne au moins dans le raid. Hein. Elle m'a contre-chais quoi. Allez, pull tous les armes. Je vais comme ça. YOLO. Plein d'armes. Bon. Je plus, suis une fougère. Et mon 7 qui va mourir. Et là, top. Et top. Et top à la vache. Tu parles, il a mis un gros vanish. Oh bah maintenant que ça coûte plus de compo, hein. Disparition. C'est vrai que ça coûtait des poussières de disparition avant cette merde. Poudou, je peux comment il l'appelait. Tiens, cette fois tu m'as pas résisté. J'ai encore le marteau du Kuro que je fais pas. Ah, il faut hein. Instant. Ouais, je sais, mais il y a certains moments je. Mets un gros Wikora au milieu de l'écran et qu'il clignote dès qu'il y a. Mais dans l'ensemble ça va. En fait là, non, juste, il faut que j'arrive. Il faut que j'inverse deux trucs de mon Wixora. Faut que je les fasse. Mon Wikora, pardon. Beware. Est-ce que quelqu'un vole? Non, bon, bravo. Non, vous avez tous marqué des points, c'est bien. J'aime pas du tout. Alors pourquoi je peux pas utiliser mon truc? Il clignote, je peux pas utiliser mon exorcisme, je crois. Je comprends pas des fois. En votre sœur, attention. C'est bon, c'est fini. Bon, après, les personnes qui font de la magie, on vous en fout. Beware. Ah, la caméra qui se fout dans l'arbre derrière. Toujours un plaisir. Est-ce que je récupère toujours le gland là si je viens là? Pas de demi-tour, là, y'a un trou, là, y'a un trou. Est-ce que je. Là. Ah, on le récupère plus une fois qu'il est parti, c'est la tristesse. Mais il donne que de la plaque ce boss. Ouais, beaucoup. Hein. Mais c'est qui s'appelle Nexus? Non, mais juste moi. Alors, épaule plaque, pied plaque et une pugila. Ouais, c'est ça, c'est que la plaque quoi. Inutile. Je sais même pas pourquoi on le fait. Le dernier drop une dague ou. Là. Tard. Du coup, on va se prendre la patte derrière. Hein. Bah, vous vouliez pas tous les mobs pour XP hein. Alors. Oui, non, c'est pas grave, hein. Tout va bien. Hein. Les magnifiques ongles de la caméra. Les bonnes auto-attaques, on les connaît. Non, je l'ai pas aggro, c'est pas vrai. Pourquoi vous dites ça? Arrêtez, je suis innocent jusqu'à preuve du contraire. C'était un peu trop suspect comme réaction. Ah, je crois que c'est pas moi. Oh bah là, il y a le gros rayon de flamme qui est parti dessus. Tiens, allez, pour la peine, je. Non, mais. Chaque bouton du Wikora, on peut le changer n'importe oui. où vraiment. On peut le oui. mettre vraiment où on veut. Oui. Mmh, tu fais tout quoi ce que tu veux avec Wikora. C'est l'avantage. Mmh. Bah, si je fais tout quoi ce, je veux dire. Follow the lead. Ah non, c'est ça. Ah, mais tape l'arbuste là. Non, il veut pas. Non, pas envie. Non, bon, enfin, dragon. Non. We gonna kill the dragon. Wouh. Parlant de dragon, j'ai vu qu'ils ont de dragon. J'ai vu que Blizzard a up Sarta, tu peux plus le zerk 3 dad maintenant. J'ai la. Ils ont augmenté les PV de chaque dragon de 65%. Donc, du coup, la stratégie. Ouais, mais du... pour le. Ouais, mais t'es obligé, enfin, pour le drake noir, t'es obligé de faire le dragon. Enfin, de pas de, justement de. De pas les tuer, oui. Oui, mais du coup, c'est. Non, mais c'est pas pour que la strat 3 Drake ne fonctionne pas, c'est pour que la strat Zerg 3 Drake ne fonctionne plus. C'est en gros la strat à la russe. Tu packs les 4 dragons et tu cleaves. Et je vous envoie la belle. N'oubliez pas de sauter de temps en temps. Bah non, c'est bon, on a un PG. Mais... Alors, le meilleur hit du serveur. Complètement. Non, j'ai pas sauté tout le temps. Il prend des tartines, lui. Putain, j'ai oublié que c'était un dragon. Ah, mais le souffle, il est où, là? Oui, la queue, attention. Il prend des tartines, le... Ouais, temple. Il a pas bougé.
Il saute pas ce pont. À un moment, j'ai pu le tenir, hein. Même il saute pas, il prend la full dot à la gueule, hein. Parce que là, je vais finir par être room, là, à un moment. C'est. Il a bubule, ok, ça c'était sûr. Mais la bubule enlève pas les dots. C'est bon, non, bah du coup voilà, il saute pas, il court un début. Ah, ça va, vous avez le meilleur chamini du serveur quoi. Non, oui, il... Comment ça, je m'envoie des fleurs. Ah, la bague que j'ai déjà. C'est con parce qu'il y avait une belle dague en plus sur le boss. Je l'ai déjà 4 fois, c'est marrant. Et bah 5. Bah c'était là où mince, heureusement que vous l'avez tué à ce moment-là, parce que j'aurais pas tenu une seconde de plus, j'avais plus de mana. Ah, moi j'ai spammé mon exécution comme jamais. Comme bah, moi, je me voyais déjà le mec mort avec le dragon sur la gueule en train de prêt à claquer l'évasion. C'est ça. Tu sais, j'avais le curseur sur l'évasion et dès que le dragon se tournait vers moi, je l'ai cliqué et puis on bat les couilles. Bah dès que Bahazon est sorti, je reset, et si vous voulez, moi je suis chaud pour faire un dernier petit run, tranquillou, avant d'aller dodo. Je vais juste aller vendre un peu, parce que je suis full de chez full, mais... Bah vas-y. Bobito, tu voulais continuer toi ou pas? Non. Je vais me coucher. Tu vas te coucher? Bon, on va arrêter là, alors, c'est pas grave. Peut-être au bout, non? Je sais pas. C'est toi qui nous dis, hein, si on peut pas savoir si tu vas te coucher ou pas à ta place. Je sais pas si je vais au bout, surtout. Les orquettes. Mais l'orchestre, ils nous... Ah bah y'a l'orchestre, oui, donc au pire Mobito si tu veux. Oh là là, mais il est ninja. Il nous espionne, hein. Non mais il est sur mon live. Ouais bah c'est ce que je dis, il nous espionne. Tiens, vous avez quel invité? Yes, ça marche. Bah ouais, enfin moi faut juste, si on peut juste attendre 30 secondes que je... Ouais, vas-y. J'aimerais juste remettre mes stuff. On va le TP le temps que t'ailles vendre faire ça. Mais calmez-vous les chats qui font la bagarre. Alors, je trouve toujours ça con d'avoir TP un démoniste. C'est un peu le comble. Ouais. C'est un peu louche, monsieur. Live, hein. On en discutera après. Ah, mais j'ai juste mute le live. Le mec. Bonjour, monsieur. Je plaisante, bien sûr. Oh là là, de toute façon. Ça va? Tu l'as aimé le cut de Via Drake là? Mais. Fous-moi la paix, ouais. Le machin. Tu t'es fait cut le DB par cette question? Ouais. On va y arriver les amis, vous en faites pas, tout va bien. Il va te popper à la gueule. Il garde juste le stuff healé après, c'est bon. Là ça doit être bon cette fois. Putain. Voilà. Putain, je gagne plus de 350% d'amélioration sur mon... Ah bah, sur le dos, c'est un peu ouf quoi. Ah ouais, bah les items au TLK par rapport à V6, c'est un truc de... Ah mais attends, en plus je peux mettre... Ils sont pas uniques. Ah putain, il est unique, c'est dommage. Je crois que les items au TLK en termes de puissance, c'est l'équivalent à du T4 de BC. T4, T5, j'ai un doute, je sais plus les deux. T4. T5, je dirais. Non, hors donjon, ouais. Je parle. Pardon, pas en donjon. En donjon, ouais, peut-être T5. Ouais, après les premiers, ouais, c'est T4. Donc bon, quand tu fais pas de... Si t'as pas raidé avant, c'est pas trop grave, quoi. Ça, tu rattrapes assez vite le... Je vais pouvoir vendre la différence entre les deux, quoi. Après, l'avantage, c'est que si t'es full stuff PVP, le stuff, tu gardes jusqu'au niveau 80, quoi. C'est ça. Je fais full S4. Hop, c'était bon. Ouais, full S4. J'aime enchante. Bah pareil. Hein. Je crois que j'allais faire un tour à l'HV aussi, vendre un peu toutes les merdouilles que j'ai dans les sacs. On peut gratter 20 PO sur cette pro. Les étoffes, ça doit bien se vendre là. On peut rentrer? Moi j'ai reset. Non, attends, si, peut-être, je sais plus. Je le refais au cas où. Je dis 30 secondes, j'ai quasiment fini. Ah, tu nous as dit 30 secondes il y a 30 secondes, mais c'est pas grave. C'est normal, attends, je vais pas faire ça. Ah, mais quand bah, dit 30 secondes. Comment on retourne au fjord d'ici? Tu feras. Il y a un fly, soit tu prends le fly, soit tu ouais. Pars la. Vous ne connaissez pas encore destination à ceci. Bah, il y a un mage juste derrière qui te TP sur un continent.
sais, t'as les trois mages qui font qui cassent pour bouclier. Et entre les trois mages, t'as une. T'as un archimage ou je sais pas quoi. Si tu lui parles, elle te TP à la tour des mages. De Hurlevent, ouais. Non, pas de Hurlevent, juste d'à côté. Ah oui, oui, Encarpement d'ambre. Par contre, si vous étiez rentré dans l'instance, il va peut-être falloir ressortir pour rentrer. Ah oui, c'est pour ça que j'ai attendu. Toi, tu peux rentrer sinon. Oui, bah attends, j'arrive. Non, mais j'ai juste. Je voulais vendre des trucs, mais je peux pas trop vendre en fait. Je peux pas prendre le fly d'ici. Bah, normalement, moi je peux, je sais que je l'ai fait. Ah non, peut-être pas, non, c'était pas là, c'était la désossation du dragon que j'ai fait. Non, parce qu'en fait, il faut que t'aies un fly intermédiaire à la désossation des dragons pour que ça fonctionne. Putain, je suis pas bouclier, j'ai pas de bouclier. Nique. Après, si t'as digne 71, je te propose limite tu PDF, histoire d'aller chercher tes spells et puis t'en profites bah, pour. Non, mais c'est déjà fait. Ok, je suis là, pardon, désolé. Est-ce que j'ai du spell 71? Est-ce que ça allait marquer dans ces affiches pas, je crois, sur lui. Instance, et je vais brouiller. Prochain spell, 72, du coup. Moi, c'est 75 qu'il faudrait que j'aille, j'aurai l'explosion de lave. Ah, ouais. Le spell du chaman. Ah, ouais, mais j'ai hâte, hein. T'imagines même pas comme j'ai hâte. On a plus Bobito, donc je peux mettre la bénédiction de puissance, maintenant. Yes. Moi, c'est pas comme s'il mettait son tri, hein, dans tous les cas. Je sais. Faut pas le dire, il est encore là. Il faut que je remette de le ça aussi. Si non, mais t'inquiète, je sais ce que c'est. Hein. Non, mais c'est chiant toutes les deux minutes à y penser. Ouais. Non, j'avoue que deux minutes, c'est chiant. Mon Wick Aura et pas mon Wix Aura. Hein ouais, je veux bien que tu mettes la béné qui rend Bala. Ah ouais, s'il te plaît. Ah, moi ouais. Aussi, je veux bien, s'il te plaît, la béné de sagesse. Ah, bon, moi, je te dis pas s'il te plaît parce que si tu me la mets pas, je te heal pas. Donc. Moi, je veux la porte. Attends, une seconde, là je change mon DPS. Je fonctionne DPS, comme ça, les gars. Je vais voir si je peux améliorer mon DPS. Donc, Non, mais fais gaffe, hein, parce qu'au niveau 78, j'obtiens des tournements, moi. Fais gaffe si tu peux une pas. Clic droit, moi j'ai la macro. Cancelora, paf. Comment ça, 700? Putain, j'ai encore crash, mais merde. Mais alors? Tu le dis, si tu veux pas jouer avec nous, ça ira plus vite, hein. C'est surtout le serveur qui veut pas de moi, oui. Mais comment ça, j'ai fait 700 de dégâts? Les mobs sont morts très vite, donc t'as peut-être pas eu le temps de taper. Ah, y'a Manset qui s'écroule, on lui demande s'il veut venir avec nous en donjon. Ah, mais j'ai plus de mana. Charles, le donjon, pas de moi. Quand t'entends des monies, j'ai dire j'ai plus de mana, tu prépares tes sorts de soins. Tu réfléchis ouais. Même pas. Ça va, ça me met vide life pour le remettre au match. Ouais, bah si tu le fais comme ça, voilà. Ça va. Après, si c'est en plein combat, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Oh, putain, merde, mais. Ce truc-là, quand t'as pas l'habitude, c'est bizarre. La première fois que j'ai sorti le long heal, en plein milieu de nulle part, ils m'ont débrouillé pour mid life. C'est ça, tu te dis qu'est-ce qui se passe, calmez-vous, arrêtez. Du coup, tu commences à le flash heal parce que tu t'inquiètes, et puis non. En fait, tout va bien, il a pas. Non, il a pas l'aggro, tout est bon. Non, c'est tu revois juste son mana qui augmente pour un peu. Mais quand tu heal, tu fais pas attention au mana des autres, tu vois, tu concentres plus sur les barres de vie. Ah, mais surtout que c'est le mec, il y a le démo qui va y aller tranquillement, il va cliquer une ou deux fois, genre de gagner un peu de mana sans paniquer le heal. Et t'as le démo qui va se tomber à 10% HP instant. Ouais, c'est ça, t'as le démo intelligent, tu vois, qui dit tiens, je suis mid mana, paf, je vais remonter. Ah, t'es en train de dire que je suis pas ingénieur, c'est ça? Et bonsoir Nebulord, comment ça va? Ah, j'ai déjà fait des donjons, t'as le démo. La forme, mon ami. Quand il est full life, voilà, 10%. Oula. C'est pour tester le heal. Ouais, enfin, tester le heal sur. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. C'est ça, mais déjà. L'astuce passe pas, et puis sur Nexus normal, bon, ça va, quoi. J'ai vu pire. Oh, on loot par mob là. J'avoue que les loot verts ça enchaîne. C'est bien, ça se fait des PO. Ça va devenir un peu souvent avec. Alors, qu'est-ce pas? Non, c'est bon, on peut pas tomber. Mais c'est fou! Il y en a encore un, quoi! Et en plus, c'est un mob qu'on avait oublié derrière. Mais lol! Ah, ça y est, pas plus. Toujours plus! J'approche plus près, là. Ah, mais attends, je sais peut-être pourquoi. J'ai plein de loot. Un petit parchemin d'agilité, moi. Let's go! Magie, c'est pour ça. Moi aussi, ça marche! La LJ ça marche pas, Paladin.
Quoi ? Ça marche pas en paladin la J, sauf si j'ai raté une étape. C'est pas pour ça que tu disais moi aussi ça marche. Ah ça fait ça, la J te donne aussi de la force. Enfin de la puissance d'attaque. Ils l'ont pas enlevé à LK ça ? Ah je sais pas moi. Bah je crois pas. Mets ton cœur sur dessus et... C'est à Kata que ça... Ça saute. C'est possible, je confonds, hein, je te dis... Force d'avoir... J'ai envie de te dire, tu ouvres ta tête de personnage, j'embarrache. Bah non, j'ai pas le temps parce que le... Faut que je fasse monter le kikimètre, il avance tout le temps. J'ai pas le temps, là je vous PL les mecs. Ah, il y a le premier 80. Non, c'est pas le premier. C'est le premier mage. Longtemps. Cet après-midi, le premier c'était un DK, cet après-midi vers, je sais pas, il était 15h, 16h, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est le premier mage par contre, effectivement. C'est-à-dire que la première fois c'est 26h. Là les mecs en... Bah c'est pour ça, on en parle cet après-midi, tu vois, c'est cool pour eux, mais ça m'impressionne pas parce que en fait c'est déjà fait quoi. Oui, c'est pas non plus. C'est pas. Non, là c'est juste pour le prestige. À la limite, le Prems 80 est pas intéressant. C'est surtout le prestige, le Prems class parce que t'as le prestige. Ah, j'ai plus de mana, sérieux? Je régène vite fait. Parce qu'il te. La mana. Ah, les angles. Les méchants. Ah, bah non, il a cool. Zéro respect quoi. Et là tu vas me... voilà. Et on a notre... On a notre pal DPS qui a 55 points de mana, voilà. Non mais y a pas besoin moi d'avoir du mana. Parce que je régène très facilement avec mon jugement donc... Ah yo, mais ça fait bien. N'hésitez pas à faire des cuts surtout sur les AOE. Et pourquoi mon E? Mais parce que c'est plus mon E. Non faut vraiment que je m'occupe du Wiko. Demain je passe à Wiko, voilà. Ah, j'étais chipède. Ah, ah non, j'étais moutonnède. Non, c'est la peinette. Il y avait un lapin et un... et un chaton. Une souris. J'ai pas envie de voir les souris chez toi, elles sont bizarres. Et maintenant, finissons le travail. Et là, si je fais ça... Oh, mais la cacouille, jusqu'au bout. Oh, je chante, hein. Tu sais déjà, oui, ça augmente ton attaque. Tu sais que j'ai claqué une disforme, mais vas-y, ça... J'ai encore crash, merde. Mais lol, mais t'as un problème d'installation, la fois que tu fais... que tu fasses une vérification de ton installation sur le battle.net. Ah, du coup je vais pouvoir régène maintenant. Non. Et puis comme c'est la vieille eau, c'est long. Oui, il vient de poule. Hein. Oh, il y a la plaque. Et oh putain, il y a deux plaques en plus. Ah bah faut que j'arrive alors. J'arrive. Allez, c'est parti. Ah. Ah bah one shot. Allez, ça c'est fait. T'es resté devant le cône. Oui, Mais c'est pas une critique, c'est une explication pour que tu comprennes ce qui t'est arrivé. Ouais, je suis mort, hein. Alors, donc, non mais j'ai fait exprès de mourir en fait. Ah. Agilité. Alors, augmente les chances d'infliger un coup critique de 6%. C'est tout ? Et ça augmente l'armure aussi. Ça augmente d'accord. L'armure aussi. Coup critique et chance. Voilà. Ah, parce que du coup, moi, tu vois, l'agilité, bah forcément, ça m'a mis... Donc c'est PA crit armure. J'ai plus de mana. J'ai plus de mana. Là si tu connexions tu meurs. Hein, Après juste en étant en perso agilité, la force me donne toujours de la PA, mais le scale est moins important. Je peux me heal. Le drain de vie, on le connaît. Ah là pour le coup c'était chaud. Ouais. Ah mais faut que je pense à l'évol de la tire quand même moi. Normalement si je fais ça. Comment ça la cible n'est pas un personnage mort? Ah boulette. Moi mort. Meurs dans ton coin. Oui, je te reste. Voilà, c'est bon. je me suis éloigné du pack pour pouvoir rester tranquille. Pourquoi le paletank qui... Tu pourrais rester paletank? Non, bah non évidemment. C'est plus intéressant de laisser régène le heal, de lui faire claquer ses deux raises et puis de re-régène derrière parce qu'il a plus de mana. Bah ouais. Tu m'arrêtes là ou quoi? Oui. On n'a pas mouru, j'ai mouru quand même moi. Ah bah soit j'ai encore. Ah, ouais. T'as crash, ouais, c'est ce que t'as accepté, mais t'es debout au milieu. Ah mais bordel de merde. Ah non, ça y est, ça vient de te TP sur nous là. Mais du coup t'as des quoi? Bah faut que je remette tous mes buffs. Hop. Ah mais donjon il veut pas de moi. J'avoue que là c'est peut-être un signe à ce niveau là quand même effectivement. Et retourne dans ton genre et fais pas chier. Qu'est-ce que tu fous en donjon là, Vapex?
Ah mais c'est à tout le bras, c'est ah t'as choisi le genre, et bah t'assumes, tu y restes. Oui, je veux pas que tu t'arrêtes la playlist, enfin bon. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Bon, pour l'instant, on reste sur XP. Non, je change. C'est pas ouf. Hein. Bah, si t'arrêtais de déco aussi, à un moment. Moi, je prends la 225K XP dans. Ah, t'as mis le Wikora? Moi j'ai mis le bout de programme, il marche pas. Ouh là là, en 2 mobs j'ai gagné 14 setups de TJ. Ouais. Let's go! Nice! J'en ai 6. Je me dis si jamais non, je pense que tu vas pouvoir les vendre assez cher au début, donc peut-être profites-en. Je vais changer ça contre des cailloux parce que je vais retourner. Je fais les bandages avec. Je me dis que si je veux monter. Ah, c'est vrai que je peux faire le truc, c'est vrai que. Ah, mais je compte sur mon heal. Ouais, bah oui, évidemment. C'est le meilleur de toute façon, donc fonce. Bon, hein. Faut bien que je trouve quelqu'un à gueuler si jamais je meurs. Bah, évidemment, je veux dire. Une bonne excuse. Bye, Bobito, je sais pas si t'es encore avec nous. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit. Ça va t'en donner, là, t'inquiète. J'avoue que ta mana elle part très grande. Bah non mais c'est pas normal, bah là oui. En fait faut juste que j'ai le temps de faire le... Non normalement ça, c'est bon mais j'ai pas, il y a eu d'y avoir un souci à un moment. C'est bon. Hors de portée, je peux pas le cut. Moi je régène hein, vous voulez pas. De quoi? Je régène, ne voulez pas. Non toi t'es pas tank, toi t'es dégâts. Voilà j'aime pas, ça sert à rien mais j'aime pas. Sur le principe. Exactement. C'est beau, vous les avez tués l'un sur l'autre en plus, là parfait, là paf, ça remonte, mais alors tout seul le mana. Là ça remonte, mais à gougou, easy. Ouais, il est parti, hein. Ça aurait été sympa que ça redonne aussi d'énergie par ce que... Ah, le tank est parti, il va mourir? Non. Si vous avez le meilleur chaman, il avait coup, regardez, hop. Faudrait laisser mourir de temps en temps, par contre, ouais, merci. Mais t'inquiète, zen, relax. Il a eu quoi? Il a eu éventreur en arcanique, c'est quoi ça? Non, c'est la hache de... Karazhan. Ouais. C'est la première, une des, c'est la toute première de la légendaire. D'ailleurs, bah là, tu sais que tu peux mettre une consécration ou ça. Je sais, mais à chaque fois que je vais la mettre, en fait, j'ai plus de mana. Oui, ça bouffe le mana. Mais je le fais. En fait, faut juste que je change quelque, parce que là, la consec, je l'ai mis en X. Faut que je change ça. Déjà que sans sa consec, sa mana elle prend toute seule. Oui, en plus tu. Non, mais je sais pas quoi. Là, c'est. On va mettre des coups de masse. Il va y avoir la faille. Qui c'est qui envoie des pintes de bière sur la gueule du boss là? Excellent. Oh, c'est mieux que ce que j'ai. Je tape à 4 000 en critique sur Bah écoutez, j'ai besoin. Ouais, fais-toi plaisir. Moi je prends pas, c'est pour Emilio et je joue pas. C'est ça. Ouais, c'est ça la quête. La quête, ouais, c'est non, là. Je pensais vraiment pas que c'est la quête. Ah, 2K, hein. Pas mal. Gameplay mono touche. Je sais pas comment j'ai fait, sur celui-là. Ça fait 249. De quoi? T'as fait 949. Sérieux? Yeah. What the fuck? Ouais, tu sais, il suffit que tu crites pas sur une frappe du croisé, une tempête divine. Et... Moi j'ai full crit. Bon, après j'ai claqué une pompe de destruction. Moi c'est pareil, hein. Si je fais pas de crit, tu as 1k1 et dès que je crit, tu as 2k2, tu dis ok. C'est les mêmes sorts, c'est juste que t'as eu de la random qui s'est glissée au milieu. Ton chaman, hein, t'es critique 50%. Ouais, c'est vrai que moi, c'est vrai. Ah, mais les critiques en LM, quand j'entends le petit ting, c'est génial. J'ai pas enchanté mon épée, enfin ma dague, je peux avoir encore plus de critiques. Avec la création du pierre de feu. En même temps, ouais, c'est vrai que ça marche mieux en AOE, quoi. Mais j'ai encore crash, mais merde là. Là, j'ai 34,34% de critiques. Avec un saut d'autorité. Ah,
Ah, je vais lancer plusieurs roues à la chaîne. Je vais faire du multiboxing et puis c'est bon, j'en reviens un qui va marcher. Ouais, c'est ce que je vais faire avec mon chaman, moi. Paf, je vais faire 5 chamelem, je vais aller en V5 et j'aurai mon glade. Hein. Allez, il y a explosion de la x5, one shot la team en face. Le mec qui sort de la rue, il voit 5 explosions, il fonce à la gueule. Ah, mais ça, c'était rageant quand ça arrivait à l'époque. Hein. C'était un véritable fléau, ça. La délicatesse du chat avec je ne sais lequel jouet. D'exploser les portes là. T'as encore d'écho, man? Ah ouais. Non, j'arrive, justement, je viens de me reconnecter. Oui, mais je viens de voir effectivement dans le chat, c'est à déconnecter. Pouf! Pour combien de temps, je sais pas. Il joue bien son rôle de voleur, il le fait même RP et tout, t'as vu? De temps en temps, il disparaît complètement. toutes les 3 minutes, hein, je dis pas, IRL. Bonne CD. C'est comme ça que ça se passe, hein. Un voleur, ça reste dans les ombres, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gars, par contre, on va balayer le. Oh, pff, au pire, hein. Oh, hop, c'est bon. Oh, c'est peut-être détourne le port qui est passé. Je suis qui là? Ça va, gros. J'ai un gros cul. C'est pas les trucs tristes. Mais laisse. Ah non, c'est l'orchestre qui est en train de taper mes totems. Alors qu'est-ce que tu pouvais éviter de faire la même taille que mes totems, s'il te plaît, que je ne confonde pas. Ça fait des totems quand même. Mais regarde. Le totem, il a double taille, pas. Un gnome et un totem, c'est la même taille, quoi, please. Isako, qui est cette collier de taux. Non, ça c'est nul. 73. Gaï. Les joyeux coups de masse, ra. Il n'y a même pas besoin de heal dans ce couloir, le buff il le fait tout seul quoi. C'est toutes les combien? Toutes les 2 secondes, c'est quoi? Pété. J'ai besoin de taper les arbres. Ouais, il faut que tu fasses tous les arbres, monsieur. Bah tu sais quoi, YOLO bah les coups, je suis rogue. C'est pas moi qui est poule. Oh, c'est moi, clairement. Oh c'est moi, je l'ai mis un coup de lancer. Ah je tente là. Ouais t'inquiète, je vais. Ah il y a la patte. Ouh ça sent pas bon là. C'est vrai que j'ai une métamorphose. Ouais peut-être bon ça. Ah j'ai la gros. Je vais crever. Bah je suis mort. J'avais la gros. J'ai dans la merde là, on est pas. Tu peux me raise l'orchèse? Gardam. Je sais pas, peut-être. Je sais pas où t'es. Juste là, après là, voilà, ici. Ah, ça marche pas. Ok. Ah, si, ça marche. C'est bon. Non, tu te l'es mis sur toi. Merde. J'ai cliqué sur toi en m'entendant. Bah, tant pis. C'est bon. Je sais pas, quand je clique sur. Je te reste. Quand je clique dessus et que je clique sur ton portrait, ça marche pas. Ok. C'est étrange. C'est un bug d'affichage. Ouais, c'est chelou. Bah, on t'a vu, on va survécu sans rien. Hein. Ouais, le meilleur heal il sert pas à grand chose. Ah, meilleur heal, pas meilleur tank, hein, à un moment. Peut-être cool à. Je veux bien une petite béné de sagesse, s'il te plaît, bah après. Merci. J'ai peut-être pull un arbre aussi. Ouais, il veut peut-être 2 arbres et une pâte et des buissons et puis. Si tu te sens de me mettre une bénette de tapa de. Une bénette. J'ai pas de bénette tapa mais. Tu veux quoi? Une bénette tapas au cas où j'ai un petit creux s'il te plaît pendant l'instance. Ouais, j'ai fusionné la béné et la papa du drone donc. Ça arrive. Voilà. Okay.
C'est comme ça qu'il faut faire. Oh. Ouais, on peut y aller là. Bon, il y a la patrouille qui arrive. Ouais, je dirais même la patte patrouille. Non. Alors, slash J, bason, clic droit, renvoyer de la guilde. Si tu peux. Je suis lieutenant, monsieur. Eh ben, moi, je suis. Ah, ça a été poule. Golfer le tank, golfer. Tu fais quoi là? Vas-y, garde la go, je gère. C'est moi qui ai la go. Ouais, là, il va reset. Il va reset. Remonte, ouais. Faut remonter. Non, j'ai le temps, j'ai la nice. On voulait pas finir le pack déjà, non? Bah, au moins, tu les dryades parce qu'elles sont dans des. Ouais, je sais pas, je suis occupé à tanker. Vas-y, je finis la dryade. Attention les pics, attention les pics. J'ai plus de temps. Pardon. Ah putain, j'ai pas eu le temps. Voilà. J'ai plus ma killing spree, ah, je suis les. L'orchestre, tu feras gaffe quand il fera le renvoi de sort. C'est déjà fait. Là, fait. Là il le refait. On voit 4 spells à la con. Beware. Toi aussi tu veux me. Ah, je me suis plutôt les doigts. Ça dure combien de temps son truc? Bah, c'est 4 spells. C'est 4 spells en fait, tu lances 4 spells et ça le saute. Donc en gros, tu mets 4 spells à la con. J'ai couru. J'ai pas 4 spells. C'est malo. Bason a disparu, il a vanish. Ouais. Bah, tu joues rogue maintenant? Beware. Sur les pics. C'est bon, il est mort. Bon, vous surveillez plus, c'est plus. Oh, de la plaque. Ouais, je l'ai. Mais étonnant. Par contre, ce serait cool de tomber les pugis quand même. Bah écoute, moi j'ai fait. Je les ai vu tomber. J'ai vu tomber celle du garde et celle d'ici. Comme ça, au moins, pas de jaloux. Oh, sur le Rainy Boss, il a dag. Heureusement qu'il y a mon démo qui tank un peu pour moi. Hein. Bah, c'est où c'est là-bas, oui. Il va falloir que j'achète la bonne boisson parce que là c'est très long la régène. Ça rend combien celle-là? Ouais, ça rend 7230 secondes. Va en capitale. Hein. Merci. Va à Hurlevent. Hurlevent, t'as 18 000 par seconde. Oui, non, mais oui, c'est juste qu'en fait j'avais pris celle-là en sortant de BC pour le PEX et. Je l'ai fini en fait, c'est tout. Mais oui, il va falloir que je change parce que là c'est lent. Je voudrais looter le mob dessous, merci. Donnez-moi mes PO. Allez, finis ça. Il y en avait d'autres, tant pis, pas. J'ai la flemme d'aller le chercher. Ah, la belle, là, on l'a. Mais saute, nom de Dieu, t'es pas tendu. Oh. Elle est où? Là, derrière. Ah, il y a peut-être mon démo qui va plus devant. T'as le démon, il va faire tout le bizarre. Il est tout le tour, là, qui est. Ah, il est en train de faire tout le tour, là. Tu peux le renvoyer, tu sais. Ouais, bah. Ouais, ça va être drôle, on va voir ce qu'il y aura. Il est trop loin, il est disparu. Attention à toi, bah. Alors, attention à toi, bah. Pourquoi il attaque pas? Tu perds le route. Excellent. Bien joué la consacre, monsieur le paladin. On va à gauche là, on l'a vu. C'est bon. De toute façon, on va se le faire, il va on va la gomme passant donc. Attention, ma vie. Ça, c'est un message subliminal, pas très subliminal. Allez. Oh. En fait, je vais dire attention, je vais mourir. Au moment, je vais connecter. Moi, je pense en. Histoire de couler les lignes. Exactement. En plus, je vais pas lancer la connexion pour avoir le gros damage du raid là. C'est ça, puis tu dis attention, l'île, je bouge pas et je fais des connexions tout le temps. Attention, je reste dans la faille, je vais pas faire connexion.
Tu sais, pendant qu'on sera en train de faire l'immortel, attention, ouais, on voilà. va connecter dans la flamme. Je fasse mes mains, machin. Attention, dragon, il y a la queue. Ouais, mais c'est des conneries, j'étais pas derrière la queue là. Mais faut qu'il arrête de bouger lui. Hein. Bah non, il sait. Faut qu'il saute aussi. Hein. Mais il sait pas, lui. Saute. Il sait tourner le même moment, sérieusement. Ah, mais il est trop loin le Bob. Je lui dis, ah, il bouge, c'est bien. Et qui est c'est bas qui est là. Moi je suis enchaîne, hein, je fais ce que ouais, je peux. Non, mais t'inquiète, justement, je regardais qui c'était pour faire attention. Qu'il arrête d'en tuer le boss. Par contre, t'as que là. Par contre, c'est galère quoi, il bouge tout le temps en fait. En fait, En cas que t'as juste besoin de sauter, ça fonctionne quoi. Il est pas au courant. Ouais, mais le boss, vu que lui, il saute pas, il bouge. C'est ça, le boss, il tourne dans tous les sens, du coup, c'est une galère quoi. Ah tiens la bague, mais y a que la bague sur ce boss en fait, y'a pas d'autre loot. Non. C'est au niveau de sa tête. C'est pas où c'est tout droit normalement. Là, à droite, c'est ici là. Ouais. Désolé à tous et désolé. Ouais bah c'est ça ouais, vas-y kick-le, vas-y. Ouais mais... Pas mal au lance sa poule. De quoi? Le heal derrière nos DPS. Ouais, ok. Ouais, ok. Effectivement, j'étais dernier DPS. J'ai même pas fait 100k de dégâts, quoi. Nul ce démo, nul et renul. Il a pas arrêté de... Hey, j'ai dû avancer de 40 mètres dans le fight. Non, cherche pas d'excuses, s'il te plaît. Normalement, si je suis un poteau, je saute juste... Oh, la quête, faut aller là-bas. Allez, là-bas. Je mets l'aura du croisé. Yes, merci. Agréable. Ouais, les 20% ça fait toujours du bien. Tellement. Du coup, on a fait 154 000 dans le monde. Oh non, mais ça reste rentable. 26 hein. minutes et 4 secondes. Bah, c'est l'équivalent de 7 quêtes. Donc, 7 quêtes en 26 minutes, tout seul, tu les fais bah, pas. Tu es 99 mobs. Alors, il dit où... Ah, attends, j'ai le fly ici. Top gold 70. Il est où le monsieur de la quête là? Il est où le marchand? C'est lequel le marchand? Quelqu'un par hasard a un bouclier de merde? Ouais, j'en ai un en banque. Non, j'en ai pas. Quelqu'un a un bouclier sur lui qui est pas enchant? Oui, il manque d'XP. Mais tu peux remplacer avec les enchantements. Hein. Oui, mais si c'est de la merde, c'est pour ça. C'est pour mettre un truc à la con. Hop là, la petite quête qui fait plaisir à rendre. Ouais, j'ai autre chose là. Ouais mais j'en ai pas en fait moi, c'est pour ça. Je sais pas où je l'ai foutu mon bouclier, je crois que je l'ai vendu sans faire exprès mon bouclier. Alors ça on non mais c'est pas grave, sans je vais retourner. Je vais la prendre mon... J'ai 36 000 fournitures dans mes sacs là. Ah bah oui, en tant que ville, oui en plus. C'est à qui tu peux parler pour retourner au niveau de la tour des mages? Allez dans le bibliothécaire tiers. Yes. Ouais. Comme ça, je prends le fly de bas et je fais. En plus, c'est un TP instant. Vous avez besoin de quelque chose? Moi, je peux pas lui parler. Elle est où la bibliothécaire? Elle est là. Et elle, est-ce qu'elle peut m'envoyer quelque part? Elle est là, t'es où toi? Ah, t'es là, ok. Ouais, ben, bah, un gnome qui saute, s'il te plaît. Pas de n'importe quoi. Le maître ponton. Bon, bah, du coup, je vais en levant. Oh. Je peux aller. Oh, c'est pas, on sera un TP. De toute façon, moi je vais arrêter là-dessus. Merci à vous pour les donjons. Et puis, bah écoutez, si vous êtes dans le coin demain, je serai dispo pour continuer. Hein. Moi je serai là normalement. Ouais, demain matin, peut-être. Ouais, parce que c'est chaud, mais demain soir, ouais. Ouais, bah écoute. Fermer les mortes mines pour faire un truc utile encore. Je plaisante. Hein. De quoi? C'est OP les mortes mines. Oui, bon, je dois le faire une fois quoi, mais après. Bon, allez les gars, bonne soirée à vous, à la prochaine. Allez, tuto. Ciao. Oh, c'est bizarre, plus personne n'achètera. Hop, et puis bah, messieurs, dames, on va se quitter là-dessus. Pas encore le 72, mais demain. Hein. Demain, on passe au 74. C'est l'objectif de la journée de demain. Deux niveaux par jour, grosso modo, je me suis dit, ça va, on n'est pas loin, ça passe. Et écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce petit live jusqu'au bout sur World of Warcraft. On en refera d'autres, évidemment.
Dans les semaines qui viennent, hein, ça va spammer du World of Warcraft. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir plus d'informations. Je vous le mets dans le chat. Si jamais... Hop là. Et quant à moi, bah, je vous souhaite la bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.